J'espère, regardez, j'ai mis un œil. Regarde, je vous regarde si vous faites des conneries. Hein, j'observe. On va devenir les meilleurs dresseurs. Oui, Pipotam, j'aime bien ton pseudo. J'aime bien ton pseudo. Oui, et toi, ça va? Bof, j'ai vraiment passé une journée pas ouf. Ça va me faire du bien de me changer les idées à vos côtés. Parce que j'ai vraiment passé... j'ai eu des, on va dire, des complications familiales, n'est-ce pas? C'est compliqué. Coucou, merci Matou pour ton resub. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Team Rediff? Est-ce que vous êtes en forme malgré ce temps grisouné? Bon courage à Cléana pour, tes révisions de partiel. Tu es fort. Tu es forte ou fort, je ne sais pas. Bah on va peut-être bouger. Alors, j'ai demandé à Didi, qui est un peu mon guide non officiel de Pokémon. Il m'a dit que il allait falloir, pour que je sois à peu près dans le niveau, n'est-ce pas, revenir vers la Live des Olives. Je sais plus où elle est par contre, c'est ça qui est un peu... Ça c'est l'école. Ça c'est l'école. Ah, mais faut peut-être que j'aille au cours de Coco, là. Parce qu'il y a un truc électrique... Et bien, je sais plus où est la Live des Olives. Elle est là, non? Ah, je suis déjà perdue. Elle était où, la Ville des Olives? Parce que, du coup, là, je suis là. Il me semble que c'était vers là, non? Je suis perdue si vite. Salut, Migoudi. Donc est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Zone nord numéro 2. Tu es à l'envers. Ah! Comment ça je suis à l'envers? Ah bah oui! Est! Bah oui, est c'est à droite. Voilà. Donc là, actuellement, je suis là. Où faut que j'aille? Cherche, Thibou, cherche! Je sais plus où je dois aller! La ville de l'olive, je sais même plus c'était quoi. C'était ça? Non, c'était de l'autre côté, non? C'était ça, la ville de l'olive? Je sais plus. Ah, c'était en bas? Eh, je suis désolée, hein. Non, mais parce que je suis une quiche en orientation, mais la carte Pokémon, c'est quand même pas... Hein? En fait, en gros... Wattel, tu es là! Wattel, je suis perdue. Je sais pas où je dois aller. Parce que là, je suis là. Donnez-moi une zone où aller, en fait. I am lost. C'est pas au sud? Bah pour la ville de l'olive, ça me semble logique. Mais après, quel est le sud? Il y a le sud 5. Il y a le sud 3. Il y a le sud... Ah mais c'est ça la ville où j'étais? Attends, mais c'est quoi ça alors? Oh là 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 là, le bordel. Ce qui est difficile en plus, c'est que le nord n'est pas affiché au nord là. Ah bah oui, c'est vrai ça. Bah oui, mais la zone est... Ouais, je suis paumée. Oh. Parce que là, le est, normalement, comme... C'est pas logique que le nord soit là. Alors, comme ça, peut-être. Attends. Est... Non. Parce que là, l'est est juste sous le nord. Mais le nord est en haut. Le nord est en haut. Ça y est. Le nord est en haut. On est pas mal. On est pas mal. Normalement, on est pas trop mal là. Est. Du coup, normalement, là, c'est ouest. Ok, je pense que je suis dans le bon sens. Mais je sais pas où je veux aller. En fait, je veux aller là où j'ai le niveau pour me battre. Parce que si j'arrive dans une zone où t'as des Pokémon niveau 52... Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça le... Salut, mademoiselle Pompon. C'est le Pompon sur la garonne. C'est quoi ton niveau? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ça attends. 20, 21, 22. Dans le... Zone sud numéro 2, sûrement pour l'olive. Mais du coup, il faut que je retourne dans l'olive. Ah, me dis pas, il m'a remis dans le mauvais ordre. Hein. Mais il me met à l'envers. Il me perturbe. Aussi, là, il est con. Il est couillon. Attends. Donc, est est à nouveau là. Nord est là, c'est bon, je suis à nouveau dans mon truc. Zone sud, on va plus comme ça d'ailleurs. Zone sud, numéro 2. Waouh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, attends, dominant roche falaise, c'est ce que j'ai fait ça. 2, 3, il pourrait mettre un 4. Ah, j'ai dézoomé là.
Bah, moustache, je cherche où je dois aller. Après, la zone est d'une zone, c'est pas forcément l'extrême est non plus. Oui, d'accord, mais le nord, c'est la pointe verte, ce serait plus pratique de le mettre en haut. Nord, c'est la pointe verte. Comme ça? En vrai, comme ça, c'est bien, hein. La Steam Star, feu à côté. Ça? Attends. On va y arriver. Non, mais c'est quelques petites minutes de cafouillage, Team Rediff. Vous nous en voudrez pas. Genre, eux, là? Mais j'ai le niveau pour les battre, eux? Rien n'est moins sûr. C'est bien la Dame Rouge. Mais ça, je peux les niquer, eux? Oui, je pense. Définir comme destination, alors. Bah, du coup, je peux y aller à pied. Mais j'ai pas besoin de retourner à la ville de l'Olive. Apparemment, ton niveau, c'est tout le milieu de la map, va pas au nord et pas au sud. Ok. Et bah, go en mototo alors, hein. Mais je suis censée trouver une route. Ah, bah, ça doit être cette route-là. Attends, je regarde la map. Est-ce que je suis sur la bonne route? Ah non, je suis pas sur la... Ah si, si je fais un détour. Si je fais un détour... Oh, on va faire le détour. On va faire le détour, hein. On peut trouver des choses intéressantes en passant par la route. Ça peut être sympathique. Putain, il fait un temps de... Oh, des... Oh! Attends! Oh, mais il y a plein de Pokémon que j'ai pas! Fais des captures entre-temps. Oui, clairement. Ah, un Tauros. Et il est beau! C'est bon, on est perdu. On était perdu pendant 7 minutes. Maintenant, la 8e minute, c'est la bonne. C'est... Ça va être intense. Ah! Ah, New MD, ça part mal. Après, c'est pas très efficace, ça va. C'est pas... Elle te refouette et n'enlève jamais son masque. C'était dans Jackie Chan, ça. Ah, il est beau comme Tauros, hein. Sous la pluie, les attaques feu, c'est pas ouf. Oui, c'est vrai. Alors, pique-pique. Ah, c'est mieux. Des ruettes dans la gueule. D'ailleurs, j'ai pas décidé... j'ai pas décidé de ce que je faisais de ma team. Hein. On était toujours dans le consensus la dernière fois de qu'est-ce qui est mieux entre garder ma team actuelle et changer pour en former d'autres, etc. Tu vois. On était dans l'hésitation. Ça va pour le son du jeu d'ailleurs, c'est pas trop fort. Tu veux changer? Bah j'aime bien l'idée de changer pour les faire évoluer quoi, ceux qui sont plus... Mais ils peuvent tous évoluer encore chez moi, c'est ça le hic. Salut Lunalia! Je garde souvent la même team jusqu'à la fin. Ouais mais du coup comment tu fais évoluer... Oh. Comment tu fais évoluer tes autres qui sont dans tes boîtes? C'est ça moi, parce que moi j'aimerais bien faire évoluer ceux qui sont dans mes boîtes. Ils me font peine un peu. Tu fais pas évoluer. Ouais, mais Wattel, mais voilà, mais non. C'est pas cool. Allez, vas-y, Super Ball. Faut dire, c'est un gros machin. Je comprends qu'il rentre pas dans une Pokéball normale. Hein. Yeah. Trop bien. Bah oui, mais j'aime bien faire évoluer. Je trouve ça rigolo. C'est le plus rigolo. Oh, New MD veut apprendre quelque chose. Vas-y, apprends acrobatie. Enfin, je suis pas sûre que tu l'apprendras en fait, mais... Le lanceur frappe la cible avec agilité. S'il ne tient pas l'objet, l'attaque inflige davantage de dégâts. Et ça fait combien? Puissance 55. Oh bah c'est mieux acrobatie que pic-pic, non? Ouais, bah c'est ça plume rêveuse. Alors du coup j'ai une Pokémon nouveau qui évolue deux fois. Ah ça c'est cool. Allez pic-pic dégage. Acrobatie. Quand t'as fait évoluer t'augmentes ton Pokédex. Bah oui. Ou tu gardes 3 forts et 3 autres dans ton PC. Bah c'est ce que je me disais. Mais le truc c'est que j'ai quand même envie que les autres évoluent aussi tu vois. Puis c'est con quand on a un qui est hyper balèze de renoncer à lui aussi. C'est... Alors. Ah non j'ai pas vu. Bon taureau on devine. Hein. Il me faut quelqu'un qui fonce dans le tas, qui est brutal. Et qui réfléchit pas trop avant d'agir. Ah, Lunalia, j'avoue. Bon, le poisson, je vois que tu le veux. Je te le fais.
Tu as l'air vraiment désespéré sur le terre, sur l'idée d'être un taureau. Je te le fais. Le poisson. Et tu as un tiret. Hop, 57. Pile poil le bon nombre de caractères, c'était le destin. Pourquoi ne pas juste changer un poké quand il est au max de ses évolutions? Bah ouais, Victory, mais le problème, c'est que la dernière évolution, elle arrive grave tard. C'est ça qui me... Parce que là, actuellement, j'en ai pas qui sont au max de l'évolution dans mon truc. Ça marche aussi, Léane. Je crois que je suis en décalage, je vois une vague de moi avant de voir de quoi il s'agit. Oui, c'est possible. Allez, Tarsal va devant. Un petit défi. Bravo le poisson. Ah bah oui. Hein. Ça tombe bien, moi aussi je suis de sortie. Ça fait un peu pédo, enfin, gros dégueulasse. Franklin, oh, tu crois qu'il s'est lassé ses chaussures? Attends, il me faut... J'ai des oreilles assorties à mon haut. Bon, c'est pas le même verre, mais par contre j'ai plus de nouvelles oreilles après. Là... Là c'est... Voilà. C'est mon max. Niveau... Oh, hey, je suis sexy, on dirait un sapin de Noël. Niveau couvre-chef, je n'ai plus d'inédit. J'ai peut-être encore des casquettes en stock. Oh là là, Erith, putain, jour... Il y a un moment, elle va servir à quelque chose. Oh non, si, remarque qu'elle l'a bien dégommée. Je suis un peu injuste. Il faudra t'en offrir. Peut-être pas, quand même. J'ai fait le type assis et seul, et je mets un ordre pour faire les dominants. Ah, par contre... Sinon tu peux capturer des Pokémon déjà évolués. Bah oui, mais ça enlève tout le truc drôle. Moi j'aime bien les faire évoluer, moi. Oh Titi, tu sais. Ouais, j'ai mis des oreilles assorties à mon haut. Bravo Aerith. Qu'est-ce que tu fais, mon... Ah. Tu peux prendre les mangas si tu veux. Hein. Il y en a dans le salon. Hein. Chérie, il y a une étagère de mangas dans le salon déjà. Il est en train de mettre les étagères. Quelle puissance! Oh, je sais. I know. Et il claque la porte. Et, non, mais Aerith, j'y crois pas qu'elle va évoluer. J'avoue que je suis peu confiante. Aerith, j'avoue que je suis un peu fébrile sur son évolution. Oh, Pikachu! Ah, mais j'en ai un déjà. Vu que j'ai eu avec la récompense, là. Il y a un Mimito. Il y a plein de bails, là, hein. Mais il y a plein de Pokémon qu'on n'a pas, les gars. On va être submergés. Elle évolue dans un niveau. Ah, c'est vrai qu'Elia, elle est au max. Elle va se faire dégommer. Qu'est-ce qui est fort là-dessus? Vas-y, Titi. Ça va capturer la balle, là. Ah ouais. Il te faut un Pikachu pour le faire évoluer en Raichu. Je peux pas prendre le même? Oh, pauvre Titi. Il a la lampe toute... Ah, le tue pas, Titi, je me suis un peu chauffée. Oh, parfait, Titi, parfait. Tu t'es arrêté juste quand il fallait. Oh, et Titi évite l'attaque, mais Titi est on fire. Ah, bah attends, je peux enlever ça, parce que ça glisse. Pokéball. Oui, non, Pokéball, pas Super Ball, calmons-nous. Vas-y, Mimitos, rentre dans la boule. Et Pikachu, il n'a pas de nom. Ah, c'est vrai. Yeah. Et Psychoquack s'envole au niveau 21. Armin veut apprendre grincement. Vas-y. Je ne sais pas. Mimitos, je crois pas que je l'avais, Mimitos. Oh, mais grincement, je vais pas le prendre. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je l'avais pas. Ajouté au Pokédex. Ses yeux fonctionnent comme des radars et lui permettent de voir dans l'obscurité. Ils peuvent également envoyer des rayons très puissants. Il me faut quelqu'un avec une bonne vue et qui a tendance à observer un peu les gens, tu vois. Un peu à les épier et tout. Alors, qui se reconnaît dans cette description? Sandrine? Oh putain, alors Sandrine... Sandrine, ça va pas rentrer. Peut-être Sandrine Viking, il y a peut-être moyen. Si
si je fais sauter le... Vicky. Sandrine Vicky. Écoute. C'est pas mal. Sandrine Vicky. Il y a une idée. Ah, si là, on peut pas cocher toutes les cases. Alors, Bon. Allez. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est mignon, Sandrine Vicky. Ouais. Mais on l'a déjà, quoi. Ça qui est con. Oh non. Aerith, je l'ai mis au début, mais... Qui c'est qui est fort contre... J'ai pas grand monde qui est fort, en fait, là. Hein. Ah, si, j'ai Elia. Ouais, mais Elia, du coup, j'ai pas besoin qu'elle évolue plus. Vas-y, Victory. Mettez des stalkers dans l'assistance. Ouais. En plus, on va le buter, hein. Genre, vraiment, vraiment. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Bon bah, Titi, hein. Salut Lolo. Victory, non. On va aller avec Mototo sur la sur le centre Pokémon, hein. C'est... Ah, il est malin ce Pikachu. Oh là là. Quel fifrelin. Mais wesh, couché. Voilà, très bien. Est-ce qu'on le capture? Mais non, on l'a déjà. Donc, on le bute, hein. C'était pour le plaisir, il était tout près de nous, on n'allait pas le laisser. Allez, Titi, tu t'en fous d'être paralysé, bute-le quand même. Mais non, t'auras pas du mal à attaquer, c'est dans la tête. Voilà, ça c'est mon Titi. La passion le guide. Ça, c'est la passion. Et oui! Aerith a pris son niveau. Comme quoi, il faut jamais abandonner. Aerith évolue enfin. Oh là là, notre petit bébé devient grand. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est classe. Oh, Aerith. Qui allie attire ses pouvoirs psychiques de la bonne humeur de son dresseur. Il danse en tournant sur lui-même quand il est content. Ah bah c'est tout moi. Ah bah c'est tout moi, c'est mon portrait craché. Merveilleux. Eh ben, ça valait la peine, hein. Alors, attends, par contre, on va aller soigner tout ce petit peuple. Et je reviens, parce que là, il y a une chier de trucs, hein. Je reviens. Oh, 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 il se prend pour le Père Noël, le coco. Non, pas tout de suite. Hop là. J'arrive au moment. Oui! Soignons tout ce monde. Ah, courage à toi, Mitaïs. Psychoquack, en plus, il évolue dans grave longtemps aussi, hein. Alors, du coup, techniquement, Elia, elle peut aller dans le Pokédex. Enfin, dans le... Mais non. Ah, je peux pas la ranger. Bah, ah oui, non, faut que j'y aille direct. À voir avec qui on switch. Parce que ça pourrait être smart d'avoir un type... Parce que là, en gros... Quoique, il y a, j'ai pas d'autre type électrique. Hein. Mais... Ah, Lysandre, en vrai... Bah, il est feu encore. J'ai pas besoin de 50 000 Pokémon feu. Hein. Combat, c'est pas mal. Mais Tauros n'évolue pas, donc c'est chiant. Un petit... Le crabe moche. Il évolue Kouroupas ou pas? Ouais, mais le problème, c'est que Elia, si je la garde... En fait, l'idéal serait de la remplacer par un autre Pokémon électrique. J'aimerais bien faire évoluer les autres. Lixi. Ouais, mais Lixi, on la connaît, c'est pas drôle. Bon, j'ai Pichu, mais on connaît aussi... Pauvre Lixi. Parce qu'après, le truc, c'est que techniquement...
Ouais, remarque, c'est smart de garder Elia, hein. Mais le truc, c'est que les autres types, ils sont cool. Ils évoluent ou pas? Salut Léoline! Compagnol, il évolue ou pas? Bon, après, il est type normal, quoi. Mais il me fait rire, j'ai envie de savoir en quoi il évolue. Ce qui n'est pas forcément, genre, en termes de stratégie, très intéressant. Mais... Allez. On re-switchera s'il y a besoin. Aldarina, tu remplaces Elialona. Et à la limite, un autre Pokémon haut à la place de Psychoquack, parce que Psychoquack, il évolue pas avant 1000 siècles. Mais je crois pas que j'en ai beaucoup des Pokémon haut, par contre. J'ai Azumarill, mais... J'en ai pas des nouveaux, en fait. J'ai Azumarill ou Aragdo. Faut qu'on chope un Pokémon haut rigolo, quoi. Parce que là, il y a du feu, mais... De toute façon, Armin ne peut plus venir, revient plus au stream Pokémon parce qu'il veut pas se spoiler la fin du jeu. Donc en soi, de toute façon, ça va pas le trauma, tu vois, de... Je sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux. J'en sais rien du tout. Mais j'ai besoin d'avoir un Pokémon haut, quoi. J'ai pas de dauphin, non. Magikarp. Ah! Je l'avais capturé, Magikarp. Oui, il est là! Allez! Il évolue à quel niveau? À quel niveau, le Viator? Oh, pour le plaisir de se balader un peu avec Magikarp. Écoute. Niveau 20. Oh, bah ça va! Ça va! Tranquille! Tranquille ou milou! Écoute, on va changer un peu. Et on va voir. De toute façon, les autres sont quand même là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Revenons où on était. Enfin, à faire trompette. Oui. Oui, oh bah trompette, c'est. Hey, il essaye au moins, tu vois. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue. Mais le seul véritable échec, c'est lorsqu'on arrête d'essayer. Comme disait le sage. Il y a un truc qui vole là. Oui, ça, je l'ai déjà, non? Est-ce que je l'ai ce truc? Ah non, je n'ai pas l'évolution du. J'ai un trou de mémoire. Je n'ai pas l'évolution du... Piu-piu. Je crois pas, hein. Ouais, je crois pas. Ah, mais je sais pas si j'ai le niveau pour le niquer, du coup. Non, merde, j'ai pris... Ah, Kirlia. Allez, à quel niveau, les garde-voix? J'ai changé d'équipe, NewMD, en partie. Et Aerith a évolué. Ah, tu peux le tuer, Kirlia, vas-y. Aerith, c'est pas la plus résistante, hein, quand même. Hein. C'est... 30, pourquoi? Pour garde-voir? Oh, la flemme! Il est parti où, le piaf? Ah, me dis pas, je l'ai loupé. Ah non, ça va, il est là. Attends, on va peut-être juste changer ma première... On va peut-être pas mettre Tao. Hein. On va mettre les petites choses, là. Mes types normales. J'ai deux Pokémon useless dans la team, et c'est pas grave. C'est bien parce que des souris face à un oiseau. Vraiment, je l'ai joué hyper fine. Mais parce que il faut tout de suite, tu vois, sortir de la difficulté. Très bien, mais c'est des bonnes souris, ça. C'est très bien, Aldarina. Tiens, Crofatal, mords-lui le fion. De la bouffe gratuite. Non, non, regarde, regarde. Voilà. Oui, bon, c'est vrai qu'on a pris cher, là. Vas-y, Pokéball, go. Et t'as intérêt à rester dedans, sinon les souris vont crever. Mes pauvres souris. Reste dedans. Bravo. Bravo, Aldarina. Merveilleux! Ah, ça s'envole! Oh, Magikarp! Magikarp qui a pris deux niveaux! Il s'envole! Tao s'envole! Ce Pokémon très intelligent apprend facilement à se servir des objets qu'il peut tenir dans son bec ou ses pattes. Qui veut être Bleuzeille? Il va falloir soigner un petit peu la team, par contre, hein. Il barbote. Oui, bon. En même temps, il est niveau 7. Oui, bon! Insomniagate, allez, vas-y.
1. Ça va jamais rentrer. Somnia. Ah, quoique. Get. Ah non. Bah t'auras pas de E, écoute. En même temps, est-ce que c'est grave? Non. Bon. T'es une livre, t'sais. Y a pas de E, c'est... Ça se suit, j'aime quand ça se suit. Alors, faut soigner un petit peu la team là. Attends, parce que là, mes souris. Soignez-vous. Une petite potion. Oh, j'en ai 45, ça va. Kirlia aussi, ça serait pas mal. Mais ah. Ah, mais non. Ah oui, mais oui, mais ça reste sur eux, c'est pour ça. Ah, c'est X, je crois. Attends, je fais un test. Non, c'était pas X. C'est quoi le bouton sur lequel il faut appuyer pour soigner direct? Non, c'est pas ça non plus que je voulais faire. Mais c'est une bonne chose de le savoir. Il y avait une touche, non? Ah, c'est moins. C'était pas la bonne touche. Oui, ça soigne tout le monde. Comme ça, je vois pas ce que je dépense. C'est mieux pour le moral. Oui, j'ai pris ta mère. Oui, bah écoute, tu feras avec. Enfin, sans plutôt. C'est quoi ce truc? C'est une fleur? Oui, c'était une fleur. Oh, un petit koala! On dirait les petits cocos de Vic. Oh, cette petite chose. Il boit une bière? Il boit une binouze? Tu sens que, tu sais quand même le prochain stream courrier. Bonne question, il faut que je passe à la poste. Mais bientôt, bientôt. Je pense les souris vont se faire dégommer, mais il faut essayer. Oh, mais c'est de la bonne souris. Attends, l'attaque du koala, c'est aval? Ben, on va faire un coup de main du coup, hein. Il pourrait y avoir une attaque qui fonctionne à un moment ou c'est trop demandé? Ah mais coup double, j'ai peur que ça me le bute. Ah mais Crofatal, fatal, j'ai peur que ça me le bute. Vas-y, essaie coup double, doucement. Ce sourire qui dit tant de choses. Hein. Doucement. C'est très bien mes petites souris. C'est des bons souris, une bonne souris ça. C'est très très bien. Ah bah c'est pas grave si on dort. C'est pas très grave puisqu'on va le capturer. Donc Allez! Oh, il devrait pas avoir de mal à rentrer. C'est un Pokémon pochetron, c'est intéressant. Oh, petit coco! Bah oui, mais il rate tout. Il est encore pire que Magikarp. Ah, on dort. Maldarina, c'est pas le moment de pioncer, ma fille. Vas-y, rentre. Crotphazam, toujours la moitié des dégâts. Ah, oh, je ressens. J'ai quand même pas gaspillé une Super Ball pour cette chose! Putain. Bon, on va gaspiller aussi. La réponse est si. Allez. T'as cru ça poussait sur les arbres? Plaît-il? Quoi? Je vais me le faire. Il m'a buté mes souris. Il m'a buté mes souris. Allez, Tao, c'est ton moment, Tao! C'est ton moment! C'est ton moment, tu m'entends? Par contre, j'ai intérêt à ce que ça rentre parce que. Allez! Allez, Tao, survie à ça, tu vas gagner 1000 XP d'un coup! Allez! Attention, tu restes dedans! Oui! Tao va prendre un niveau! Ça, c'est le pouvoir de l'alcool, ça. Ah non, mais l'énergie de l'alcoolique. Oh là là, 1200. Il est niveau 12, Tao! Il est niveau 12! Il a pris 4 niveaux d'un coup! Ah, diluer la salive de Doala permet de fabriquer un puissant anesthésiant utilisé autrefois en chirurgie. Oui, ça s'appelle le whisky. Du coup, qui est alcoolique? Voilà, tout ce... Non, l'alcoolique, c'est une maladie. Donc, alors, qui aime picoler et semer une race fréquemment dans ce chat? Voilà. Et pionce, du coup, beaucoup pour compenser le degré d'alcoolémie. Hein? Attention, attention. Qui c'est mon alcoolo? Qui c'est qui va être mon alcoolo? Attention! Comment ça, Sky? Bon, bah Sky, hein. J'en apprends de belles sur mes modos, hein. Bravo, hein. V'là l'exemple, hein. Ah bah non, mais bravo, clap clap, hein. Skylie, ma moustache. Boîte PC. Va faire une sieste. Eh, Magikarp a pas pris 4 niveaux. Eh. On souligne ou pas le... C'est quoi ce truc? Alors, le truc... Alors, attends, bon, je vais faire un effort de ouf.
attention, je vais utiliser un rappel. Alors que le centre Pokémon n'est pas loin, hein. Je progresse. Je progresse dans ma vie. Voilà. Soyez, hein. C'est quoi ce truc? Allez, fonce dedans. Je sais, non mais je sais. C'est clippé. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous pouvez encore faire des clips ou pas? J'aurais juste pris un nouveau Pokémon. Bah oui, mais sinon, ils gagnent pas d'XP quand ils sont morts. Qui es-tu? Oui, notre team. Bah oui, je sais. Vas-y, Croc Fatal! Oh oui! Oh la vache, ok, ça va aller. Dans Tao, là, c'est jouer avec le feu quand même. C'est quoi comme type ce truc? Victory, vas-y, occupe-le. Elles évoluent quand les souris? C'est une bonne question! Le boss de la Team Star où tu diriges est assez haut niveau, par contre, fais gaffe. Ah! Ouais, mais le temps que je capture, de toute façon... Vas-y, balle graine. Très bien, vas-y. Vas-y, Victory. Doucement, mais sûrement. C'est tout? Ah oui, bah là, c'est vraiment trop doucement, là. Ok, Volvi? C'est pas très efficace. Oui, mais ça te soigne un peu ou pas? D'un point. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment de la merde. Bon, bah, tentons vent féerique alors. T'es mieux? Ouh! Oh, mais attends, tu sais ce que je vais faire? Tao! Comment ça? Pourquoi? Pourquoi impossible de rappeler le Pokémon au combat? Il a pas beaucoup de PV. Mais Tao, il a tous ses PV. Tao, il est full. Aerith. Ah, mais peut-être qu'il s'est fait un... Bon, alors, vas-y, je vais essayer de sauver le cul de Victory. Est-ce qu'il va rentrer là-dedans? Il a jeté un sort pour pas que ton Pokémon s'échappe. Ah, l'enfoiré. Reste dedans, reste dedans. Reste dedans. Yeah! Ça, c'est mon Pokémon! Qui c'est qui est moche? Alors, voyons voir. Très bien! Oh là 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 là, Aldarina s'est envolé. Aldarina s'est envolé très loin. Aldarina veut apprendre Belle Graine. Mais bien sûr! Histoire d'avoir une attaque qui lui sert à quelque chose. Bien entendu. Oh bah, bien sûr! Puissance 25. Coup de main, c'est quoi? C'est de la merde. Ok, ça dégage. Alors. Bravo, Aldarina. Ma petite souris va servir à quelque chose. C'est si émouvant. Alors, Philanthrope. Il recouvre son territoire de fils solides et collants pour piéger les indésirables qui s'y aventurent. Donc, il me faut quelqu'un de sale, qui sème ses déchets derrière lui, qui est avec un léger duvet sur le visage, une tête un peu effrayante et un physique disgracieux. Qui veut être Philanthrope? Alors là, ça va se bousculer au portillon, hein. Avec une description pareille. Ah voilà. Giulio, ça marche. Giulio. C'est bien, tu as raison de t'accepter tel que tu es. Où es-tu? J'ai perdu Giulio. 90-21. Hop là. Moi, je suis parfait, ça ne sera pas moi. Toi, ce sera un Pokémon modeste, Franck. Allez, boîte PC. Du coup, on va voir, est-ce que c'est une évolution ou pas? Ah, c'est l'évolution de Tissamboule. Effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le faire évoluer nous-mêmes. Hein. Ils sont en piquette. Ah oui, c'est la grosse piquette, là. Eh ben, on va soigner. Ouais, je sais. Ah, ça fait mal. Ah non, 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 on va se calmer. J'en mets une autre, peut-être. Un 31, c'est pas beaucoup, hein.
Allez, toi aussi. Ah, mais une autre, ça suffit pas là. Oh là 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 là, mais je suis une héroïne. Je sais, je me choque moi-même. Hop là. C'est quoi déjà mon truc pour aller vite vite là? C'est pas X? Attends, je vais peut-être... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'évolution de mon cochon, non? Oh, il est presque mignon. Merci pour follow mec pépouze. C'est l'évolution du cochon. Vas-y. Comment ça, il évite l'attaque, c'est un cochon? Oh! Quoi? Aldarina, j'arrive! Aldarina, pas de panique, pas de panique. Etienne, vas-y, sauve le truc, là. C'est l'évolution du premier cochon. Mais il est où, Titi? Ah, mais il prenait son temps pour arriver. Il était en train de se faire beau. Ah! Et bah, tu peux rien faire, donc fais ça. Parce qu'il l'utilise dans le vent, donc autant pas faire un truc stylé. Oh là là, mais Titi se fait dégommer sa race! Allez, brûle-moi ça, là! Il est fort fragrant! Mais non! Pourquoi Titi a un chapeau mexicain? Eh, c'est le style! Titi va se faire dégommer. Je crois que Titi va se prendre une déculottée. Hein. Titi est en danger. Hein. New MD, c'est ton moment. Mon petit ado rebelle. Et il nous met cher le cochon. Hein. Oh là là. Dans quel monde les cochons créent des tunnels? Oui, bon, j'avoue. Mais laisse-le tranquille. Vas-y, acrobatie. Oh, c'est bien ça, c'est mon ado. Ne me le tue pas, il faut que je le capture. Doucement, calmons-nous. Calmons-nous, j'ai dit, on ne brûle pas le fragment. Stop. Il va crever, il va crever, il va crever, il va crever, il va crever. J'ai plus beaucoup de Pokéball. Est-ce qu'on prend un risque? Le pognon passe avant. J'espère ne pas le regretter. Dedans. Oh, tout de suite! Ah, il s'est couché direct! Nous avons capturé Fragroin. Oh là là, c'était... Oh là là, cette remontada! Cette remontada! Titi va prendre aboiement. Eh ben, Titi, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas un canidé, Titi! Non, on s'en fout. J'utilise pas ça. J'utilise pas. Non mais Titi est passé par différents états dans le jeu. Hein. Ce Pokémon méticuleux aime la propreté. Il est enveloppé d'un parfum floral qui rassénère les Pokémon alentour. Il me faut un Pokémon un peu maternel, un peu maman, badass, et choupi et coquet en même temps. En vrai, Fragment est classe. Hein. Hop. Moi je suis propre, c'est bien avec Pépouze. Wattel, allez. Allez. Ouh, oula, oula, oula. Non, 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 laisse-moi en French, s'il te plaît. Wattel avec un tiret M. Hop là. Soyons un cochon classe. Ah, pas grave. Et vénère, n'oublie pas la partie vénère quand même, hein. Oh, regarde cette... Oh, comment ça se suivait magnifiquement. Oh, j'ai kidnappé sa mère et lui, il va mourir. Le pauvre. Ah bah, capitalisme, chasseur, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un taureau, je l'ai. C'est dur ça, je l'ai ou pas? Je sais plus. J'ai un doute sur t'es dur ça. Oh là, ah, mais attends, oh, je suis en train de me partir en balade là alors que mes trucs vont crever. Un seau lourdeau, faut qu'on revienne pour un seau lourdeau. Attends, il y a un machin là. Ah non, non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Faut qu'on revienne pour un seau lourdeau et pour t'édurer ça. Mais d'abord. Non, parce que là, je veux bien gaspiller mes potions, mais j'ai mes limites quand même. Hein. En cas de doute, fonce dessus. Oui, ça se tient.
Oula, je regarde plus devant moi, ça ne va pas. Quand est-ce qu'on voit professeur BG? Eh, bonne question. Allez, soigne-moi tout ça. En même temps, ils ont pris cher, là. Hein. Là, là, ils ont pris très cher, quand même, mes petits cocos. Hein. Allez, Magikarp, franchement, I believe in you. J'aime bien intégrer un peu de nouveauté, quand même, dans la team. Ça fait du bien. Ça fait, tu sais, tu sens du sang neuf, un peu. C'est comme dans l'équipe de foot, tu vois. Si tu mets tout le temps les mêmes gars, bon, bah, au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils brassent un peu. Là, t'as besoin d'un regain, comme dans une équipe de modo, tu vois. Quand les apprentis arrivent, à chaque fois, ça fait un petit « Ah !» Tu vois, là, c'est pareil. C'est mes apprentis, les deux petits, tu vois. C'est... Alors, on y retourne. T'es dur, ça. Où qu'on est? Croquine, je l'ai ou pas? Je sais plus. Bah, écoute, on va savoir. Allez, au pire, ça fait un peu d'XP. Allez, non, mignon. On l'a pas! C'est pas Croquine, c'est Candine. Vas-y. Oh, Candine est trop forte! Eh, je viens de les soigner! Respecte un peu, là! Respecte rien du tout! Vas-y, coup double! C'est pas fameux, hein? C'est mieux! C'est mieux! Est-ce que Crofatal ça va remarcher? Vas-y, je teste. Wow, ça serait vraiment bien que vous y arriviez maintenant. Très bien! Je sais pas pourquoi ils étaient vénères, mais c'est très bien. Vas-y, j'ai oublié d'acheter une Pokéball. J'en ai plus beaucoup, j'en ai plus que 10. Allez, reste dedans, reste dedans, reste dedans. Oui, ça c'est mes souris. C'est bien. C'est bien. Oh, mes souris s'envolent. Niveau 20, niveau 14 pour Magikarp. C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui, tout va pour le mieux. Candine, ce Pokémon traverse les forêts en bondissant gaiement. On fabrique des remèdes contre les maux de ventre grâce à sa peau qui se détache. J'ai besoin de quelqu'un qui a du coup beaucoup de peau morte et qui est un peu con. Genre, très enthousiaste par la vie, tu vois. Con gentil, pas con, genre, tu vois. Un peu genre, oh, tu es mon ami, même si tu m'as donné une baffe, tu vois ce que je veux dire? Con sympa. Con, moi, s'il te plaît, c'est vachement moi. Allez, Bigoudi, ça marche. Bigou, Bigoudi. Par contre, Bigoudi, ça ne va jamais rentrer, je pense. Bigoudi volant. Je vais tout mettre en un mot, on va oublier le tiret. Il n'y aura pas de thé, mais on comprend l'idée, c'est ce qui compte. Go, boîte PC. Bigoudi volant. Ah, c'est Croquine qu'on avait déjà, en fait. Mes souris, là... Elles devaient pas... Non, c'est 21 qu'elles évoluent. J'ai utilisé. T'avais vu? J'ai utilisé. Bon, t'es dur, ça, on va voir. J'ai un doute sur toi, alors viens là. Niveau 25! Ah oui, il y a le temps. Moi, j'ai cru que c'était 20-21. J'étais en mode, ouais, c'est rapide, c'est bien. Que nenni! Bah, trop fatal, hein. J'aime trop le vénère maintenant quand tu fais ça. Je sais pas pourquoi. Ils sont montés vite. Ouais. Hé, hey, couché, t'es dur ça là. Tu vas me buter mes souris. Coucou, chien. Par contre, ça va pas suffire, je pense. Faut que je redonne un petit coup là. Ça va potentiellement me tuer mes souris. Hein. Me le tue pas. Couché. Très fait, très bien. Aïe, aïe, aïe. Magikarp! Allez, Tao! C'est ton moment, Tao! Non, mais c'est pratique quand il y en a un qui crève comme ça, juste pour capturer, bim! C'est parfait! C'est parfait! C'est exactement ce qu'il faut à Tao, quoi! Bam! Tao, c'est tellement une arnaque! Ah bah! Regarde ça, comment Tao s'envole. C'est beau. Et on a du coup pas de thé dur ça. Quand il est anxieux, il lèche ses pattes qui sont constamment couvertes de miel et retrouve le sourire. Oh, c'est mi-mignon, mi-dégueulasse. Du coup, si vous avez une hygiène douteuse et que vous aimez la bouffe, vous pouvez être thé dur ça.
Anissa Code, vas-y. Ah. Ni. Ça. Où tu es? I lost you. Code. En fait, il n'y avait pas de piège. Non, parce qu'on sait jamais, des fois, vous rajoutez des tirets, vous mettez des bails chelous. Hop, magnifique. Je suis exactement comme ça, enfin des fois. J'aime bien la précision, tu vois. Elle était dure, ça. Zoup, avec les coupings. Non, non, toi, c'est bon, je t'ai déjà, va-t'en. Non, non, pas le cochon. Il est statufié, le cochon. Ah non, c'est bon, il a bougé. Il n'y avait pas un autre truc que j'avais pas. Alors, il y avait un saut lourdeau qu'il faut qu'on chope. Après, sinon, il y a le son de Pokémon qui est juste là aussi, hein. Parce que je vais à l'autre, mais lui, il était vraiment à 2 mètres, en fait. On va aller... Non, parce que là, il y en a deux qui sont piquettes un peu. Il y en a un qui est mort, surtout. Non, parce que les rappels, ça coûte cher. Hein. Les rappels... Non, parce que autant les potions, je peux faire l'effort, autant les rappels... Et oui, il faut que j'achète des Pokéballs, ouais. Bien vu. Non, mais Tao, il monte, hein. Tao, il monte. Qui va lentement, va sûrement, mais lui, il monte vite, hein. Ouais, je pense au Pokéball, vous avez raison. Je veux acheter, mon bon monsieur. Après, j'ai 23 000 en vrai. J'ai 13 000 PL, ça sert à quoi? Hop. Pokéball, il m'en faut 11. Ça donne envie de jouer, bah fonce, hein. Salut Cassie! Super Bowl, bah on y va, on va prendre 11 aussi, hein. Oh là là, le pognon. Oh, ça fait mal au cul, hein. Mais faut ce qu'il faut, voilà, on va pas se mentir. Enfin, maintenant, les Super Bowl, voilà. On en utilise souvent, quand même. C'est nécessaire, hein, dans notre développement personnel. C'est la dure loi de la vie, hein. Un seul lourdeau, t'es où, mon grand? Parce que je t'ai vu tout à l'heure. Mais je le vois plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, c'était dur, ça. Oh, on va se paumer un peu, hein. Oh, bah sinon, c'est pas drôle. Alors, attends, vous m'avez dit c'est X pour aller plus vite? Ah non, c'est pas X. C'est appuyer sur le truc. Non, c'est pas ça non plus. Je vais trouver. Non, mais je vais trouver, je vais trouver. Je vais trouver, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fleurs, mon dieu. Y'a rien dans l'arbre? Non. C'est quoi ça? Un seul lourdeau! Parfait! Il faut que j'appuie sur le stick gauche quand j'avance. Ok. Asie! Alors ça va pas être trop dur. Normalement, un seul lourdeau, on est quand même sur le. Sur le... la douceur, hein. On n'est pas sur. C'est pas. Oh, c'est impressionnant visuellement, mais ça fait pas de dégâts. Mais c'est impressionnant visuellement, on va pas te l'enlever. Il est mignon ce lourdeau, je l'aime bien. Il est gros par contre, je pensais pas que c'était aussi gros. On a plein de koalas bourrés autour. Allez, Pokéball! Go! Oh, il a tout de chelou hein, ce lourdeau en vrai. Hein. Pas que la queue. Hein. On l'a capturé! Et Victory qui s'envole, et Magikarp aussi, qui est niveau 15 maintenant. Voyons voir, Victory, qu'est-ce que c'est méga sensu? Découvrons. Une attaque qui absorbe les nutriments et convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. Ah bah comme Volvi, en fait. Ah mais c'est mieux, méga sensu. Non? Parce que Volvi, c'est 20, et ça, c'est 40. À la place de Volvi, on est d'accord. T'as vu, j'ai l'air eu maintenant, hein. Je viens de voir qu'il y a une évolution à un seul lourdeau. Sérieux? Comme que tout arrive. Par contre, Victory, c'est la plus motivée de la team. Elle apprend tout le temps des nouveaux trucs. Et Tao a pris charge! Purée, Magikarp peut nous servir à quelque chose! Ça, c'est beau, hein? C'est deux seuls lourdeaux. S'il est repéré, il fuit en creusant un trou à l'aide de sa queue. Ah, ça doit être un mec. Ses ailes lui permettent de l'éviter pendant quelques instants. Ok, bah il me faut quelqu'un de pas forcément impressionnant, mais qui est doué en lâcheté. Voilà. Silver Moon, ça me va.
Ce sera en un mot, par contre. Ah, quoique, j'aurais pu te mettre ton tiret. Bon, enfin, c'est pas très grave, un tiret. Ah, le 29. Ah, bah non, je peux mettre ton 29, tiens. Bam. Magikarp a une attaque. Mais oui! Mais oui! Magikarp a une attaque! Bon, c'est pas une attaque haut, mais... Ok pour les pays. Ok. T'es bien, Solurdo. Bioum! On en est au niveau soin, ça? Ouais, ça va, ça tient le choc, ça tient le choc. Ils sont braves. Un Solurdo, Mimitos. Ça, on a... C'est quoi cette petite merde, là? Je sais plus si on l'a, ce truc. Donc on y va au cas où. Je crois que oui. Je crois qu'on l'a. Oui, on l'a déjà. Mais pour le plaisir, on l'admire à nouveau. Voilà. C'est... Ça me fait plaisir. Ça... Voilà, très bien. On l'a même pas donné. Ah, il est confus. Ah, super. Taro en avait marre d'être inutile. Il s'est dit non mais on m'envoie au combat que pour servir de temps. Quand les autres sont morts, ça suffit maintenant. Bah oui, hein. Ah mais Taro a eu un... Un réflexe. Allez, c'est pas grave. Tu peux le faire quand même, Aldarina. Je crois en toi. Voilà. Mais non, mais pas toi-même. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh, il m'a aidé. Bah, c'est gentil, ça. Du coup, je suis plus confus. C'est gentil. Ah, bah si, je le suis encore. Ah, bah merde. Ah, ils l'ont touché. Il est mignon, l'autre, il nous a encouragés. Voilà, il est mort. C'est mieux. Non, mais les choses sont dans l'ordre. Ça fait un peu d'XP pour les souris. Et New MD a pris un niveau. Par contre, ils sont confus même en dehors du combat ou... On va aller par là un petit peu, voir ce qui s'y trame. Non, ça c'est le cochon. C'est Wattel. Une maman avec ses bébés, mais on a déjà brisé une famille. On va peut-être pas toutes les péter non plus. Oh, le petit machin, on l'avait pas eu. Le petit fan. Quand tu sors du combat, ils sont plus confus. Ok. Un petit Vivaldin. Bon, il a un niveau de là, mais c'est pas très grave. Il est tout seul en plus, bichon. Ah bah bravo, vampiriser une souris. GG, hein. Je te félicite pas, hein. Hé, hey, ça marche bien en plus. Ce monde où les souris sont aussi grosses que les fans. Ouais, mais c'est des grosses souris. Allez, parfait. Non, oh, ça va, vampigrer. Franchement, j'avais sous-estimé la puissance des souris. Mais t'as vu de ouf. En vrai, les souris, elles gèrent, hein. Aldarina, elle avait la motive en elle. Hein. Mais arrête de te soigner, je vais te capturer, tu peux faire un effort. Elle y met pas du sien, je trouve. Ah oui, ah, y a même pas... Je vais te buter sans faire exprès. C'est ça que tu veux, Vivaldin? C'est ce qui va se passer, Vivaldin. Oh là 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 là. Bon bah... Vas-y. Bah je vais essayer de pas le tuer. Mais regarde, il va me buter Aldarina. Mais il m'a buté Aldarina. Vous savez ce que je vais faire. Vous le savez. Après il risque de se faire dégommer aussi Tao. Hein. Parce qu'il a que charge. On va essayer. Au pire, il meurt aussi. Hein? Est-ce que c'est grave? Il va se faire assassiner. Allez, 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 allez. Oh là là, il a même pas pu attaquer. Oh, le pauvre, quoi. Attends, j'ai deux cadavres sur les bras maintenant.
Allez, bute-moi ça. Non, bute pas, hein. Mais t'as fini de me buter mes gars, putain, mais laisse-moi te capturer, t'es un daim, bordel, t'es un bébé, t'es tout seul. Mais stop! Mais stop! Mais c'est quoi ce massacre? C'est quoi ce massacre? Wow, alors si là je le capture pas, elle va crever, Erith, hein. On le sait, hein, c'est pas grave, c'est la beauté. Ah mais il déterre, hein, le fond. C'est bon! Ah, oh, quand même! Purée! Ah bah du coup, Erith... Mais Erith, ça monte doucement. Mais ça monte. Ça monte. Vive Eldin, du coup. Son odeur varie selon les saisons, en fonction de si vous vous lavez ou pas. Lorsqu'il se met à sentir l'herbe fraîchement coupée, ça annonce le début de l'été. Alors, qui veut être Vive Eldin? Qui veut? Aklaena, allez. Ak. La. Où tu es? E-A-2-N-A. A-K-L-E-A-2-N. Non, il y a un N. Ah, il y a un N et deux A. C'est absolument illogique. Mais soit. Attends. Un N. Aklaena! C'est bon! Ah, il y en a un en trop? Eh bah, j'ai pimpé ton pseudo. Il y a trop de lettres, ok? Je dis ça, non, je m'appelle Tiboudouboudou. Oui, je sais! C'est ironique! Bon, attends, peut-être que j'aille soigner mes cocos. Attends, j'ai juste envie d'aller sur le littoral. Ah non, mais je l'ai déjà capturé, je suis bête, c'est Victory. Une protéine. Ah, ça aime la muscu, ça. C'est quoi là-bas? Ah, mais si je descends, je remonterai jamais. Wow, il y a des cochons. Vas-y, on va essayer de remonter en douceur. Super potion. Super potion. Elle peut marcher au plafond. Est-ce qu'elle peut tous soigner? Bien sûr que oui, c'est une potion. C'est quoi ça? Ah non, il est en giga truc. Ouais, non, ça va, j'ai déjà donné. Je me suis fait dégommer la daronne. On s'arrête, hein. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je fuis les problèmes. Oui! Déco à la bourrée. Je vois le centre Pokémon. Je ne peux pas être plus près que le ça. J'arrive. Je vais soigner mes souris. Et bim! Tout le jeu que tu récupères mais n'utilise pas, tu peux les revendre et te faire du pognon. C'est vrai! Mais ça, c'est un autre problème. Aerith est toujours nulle, mais elle a évolué. Donc je ne sais pas si c'est rassurant. C'est quoi des œufs à la mèche, les Gladys? T'as bien capturé dans la zone. Ouais, hein! Attends, parce que du coup, il me restait. Il y a un dresseur là que j'ai pas eu. Oh oh oh. Comment vais-je t'assaisonner? Kamala, la cuisinière. Oh, je me dis bien que c'était une meuf. On a déjà vu cette meuf. Il y a eu un bug de son, ok. Ah merde, j'aurais peut-être dû changer, mais... Bon non, ça va être bien, ça va... Ouais, très bien. Aldarina, Crofatale. Pourquoi le son, il s'arrête? Mais... Ah ok, le jeu, il veut pas que... Ok. Mais stop! Mais c'est pas le stream qui bug, c'est le jeu. Bah pourtant, non, c'est vraiment le son. C'est peut-être le combat. Ah, c'est le jeu qui bug pour vous? Attends. Je m'en sors et je m'en occupe. Oui, effectivement, vous avez un problème de RAM. Non, ça vient pour vous. Mais du coup, moi, j'ai un problème de son aussi. Alors que donc, ça doit être un... Ça doit être... Ah, merde, Darina s'est endormie. Bah, du coup, je vous raconte ce qui se passe.
Aldarina s'est endormie. Et du coup, elle se fait attaquer par Ramolos. Ramolos, pauvre Aldarina. Du coup, j'envoie Titi. On voit un diapo. Non, mais c'est bien, je vous raconte le... ce qui se passe. Par contre, je comprends pas pourquoi ça bug. Ça a jamais bugué jusque-là. Oui, non, mais ma tête fonctionne. Hey, moi, je suis là. C'est très intéressant. J'envoie un Pokémon feu sur... Du coup, on envoie Calcination sur un Pokémon flotte. Mais c'est pas grave. Ça marche quand même, donc... Oui, non, mais Insomnia, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi ça bug. Ça me stresse. Je pensais que c'était fini, les problèmes de... Pendant la pluie. Oui, oh oui, mais je panique, là. Je panique. J'ai des bugs de trucs. Ça panique. Totalement bon Pokémon. Ça me juge. Ça me juge. Ok, on l'a battu. Et les souris évoluent niveau 21. On est content. Bon, pas Tao, mais... Mais je parlais à mon sandwich. Est-ce que tu croyais? Bah oui, bien sûr. On sait, on sait. Ok, alors... Non, attends, je veux pas me battre maintenant. On va retourner au centre Pokémon, vite fait. Parce que là, si je me bats sur un Pokémon en même temps... Ouais, non, vous, ça bug sa mère. Ça bug sa mère, mais pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai le souci, c'est qui est chelou. Mais pas au niveau de l'image, je l'ai juste au niveau du son. Alors, attends. Petit contretemps. Hop. C'est toujours pas m'intéresser. Ouais, mais je sais. Attends, c'est mon truc de capture qui doit galérer. Mais pourquoi? Oh ouais, il le capture plus en fait, attends, parce que tout à l'heure ma webcam était mal mise, donc si ça se trouve, mes chats ont trifouillé dans les câbles, et ça serait cul quoi. Bougez pas, je suis là, hein. Ce truc, c'est peut-être ça qui a eu un coup de chaud en vrai. Oh, je suis là. Alors, on va retrifouiller. Je pense, en fait, le truc c'était sur mon boîtier et peut-être qu'il a eu chaud. Magnifique image sur l'étagère, n'est-ce pas? Je me dis c'est peut-être ça, mais il fait tout noir. Au moins, vous me voyez, moi. C'est déjà pas mal. T'as un beau pull. Oui, hein. Alors, voyons voir. J'ai l'impression que c'est mieux, non? Non, mais c'est des problèmes techniques. Peut-être que c'est ça. Peut-être. C'est normal qu'il fasse noir, enfin que vous ayez plus de son là, deux secondes, parce que j'ai changé de visu. Peut-être que c'est ça. Pourquoi j'ai des fantômes de machin qui me foncent dessus? Peut-être que c'est parce que le boîtier était sur le PC et que ça a l'air chaud soufflé dessus. Ça m'a pas fait ça avant, mais. Hop. Écoute, on verra, hein. Ah, attends, voyons voir qui c'est. Mais il va me dire que j'ai pas battu assez de mecs, je pense. Deux dresseurs, oui, voilà. Il m'en faut cinq, oui, c'est ça. Je m'en doutais. Appuie sur L et dans Pokédex. C'est quoi L? Ah oui. L? Bah, ça fait rien. Oula, il y a des cochons partout. T'as sauvegardé au cas où? Non, je vais le faire. T'as raison. Après, la console en elle-même n'a pas bugué, hein. Il y a eu le son, mais... Ça dit, oui, il y a eu le son quand même, mais... Mais stop, les touristes de force. Ouais, non, j'ai pas soigné mes Pokémon. Mais quoi? Mais c'est... Mais pourquoi? Mais c'est quoi ce bordel? Je me suis fait gangbanger par des torrents.
Mais fuite! On prend la fuite très vite! Mais quoi? Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais ils sont 50 000! Mais laissez-moi tranquille! Ah mais ils sont pas contents, hein! Salut mec pépouze! Ouais, c'est tombé. On a pris cher! Entre le jeu qui bug et puis le... Je sais pas ce qui a pu faire bugger le son du jeu. En cas où j'ai remis tous les câbles. Non mais... Mais stop! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais laissez-moi en paix! Ah, un petit machin qui donne une pièce. Bah, on va reprendre la mototo, hein. On va essayer de fuir les taureaux. Parce que là, ils se vénèrent quand même, hein. Mais je sors pas du centre, mais grave! Ah, il faut bien quand même, on va pas rester... On a tout le monde, ouais, c'est bon. On a le Vivaldin qui nous a donné du mal. Oh, mais c'est nous! Attends, attends, reviens, toi! Reviens! Mais reviens! Mais reviens! Je te colle au cul! Ah, ma souris est sur l'écran, pardon. Un motorisa... Oh putain, face aux souris. Il va se mettre bien. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah oui, je me doute, oui. Ça, c'est de la souris, ça. Ça, c'est de la souris. Par contre, je pense qu'elles vont se faire des gommes. Mais on va essayer. Oh là là. Allez, Eldarina. Ah merde, non! Vas-y, on va être sympa, on va essayer de sauvegarder son fessier. Aerith. Féroce, ouais. Oui, Reddy, on a fait quelques changements dans la team. Oh la vache, oh la vache! Oh la vache! Les Pokémon se font rouler dessus! Après, cela dit, si je peux me permettre, Aerith, c'est souvent... Mais stop! Mais laisse-la jouer! Ah, très bien. Ah! Alors, Aerith, c'est bien. Mais je voulais qu'on le capture, Aerith. C'était le plan de base, Aerith, qu'on le capture. Pas que tu le butes, Aerith. Oh, trop de zèle, trop de zèle. Elle l'a tué. Je crois qu'Aerith s'est vengée de toutes les fois où elle s'est fait rouler dessus. Vraiment. Vraiment, c'était honte. Allez, elle lui prend pour tous les autres. Tant pis. Oh, on va bien en trouver un autre. Je suis confiante. Comme mon Pachirisu, là. Ah, le truc avec des taureaux vénères, là. Laissez-moi tranquille, les taureaux. Hein. Restez loin. Non, ça, c'est un taureau, c'est pas un... Je veux un truc qui roule, là. Une CT. J'utilise pas les CT. Faudrait peut-être que je les utilise, hein. C'est vrai. Des séribous, des machins. Non, non, vous, je vous ai déjà. Tranquille, guys. Oh, bah tiens, il y en a un autre. Hop là. Boum. Allez, Eldarina, on recommence. On recommence. C'est pas grave. C'est pas grave, Eldarina. Eldarina, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, t'es vénère, je comprends. C'est son frère qui t'a buté. Donc, je serai vénère aussi à ta place. Est-ce que tu peux, même si tu meurs, me placer cette attaque? Même si tu meurs, c'est pas grave si tu meurs. Mais vraiment, comme ça j'envoie Magikarp. Est-ce que tu peux me l'attaquer? Très bien. Une deuxième fois, comme c'est un double truc. C'est parfait, Eldarina, tu es parfaite. Pokéball.
Oh là 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 là. Ça, c'est ma souris, ça. Ça, c'est ma souris. 600 points. Oh là là, il y en a 4 qui prennent un niveau. Magnifique. Aldarina va prendre encore. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière... Non. Voilà. Alors, on va soigner. Motorisa, déjà. Qui veut être Motorisa? Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. La chaleur corporelle des personnes qu'il transporte le réchauffe et lui donne de l'énergie. J'ai besoin de quelqu'un qui aime courir, qui court vite et qui aime le contact. Qui c'est qui fait ce petit footing matino? Allez, Lunalia. N-A-A. Hop. Elle. Et tu es où? Et tu es où, Luna? Je t'ai perdu. Ah, c'est bon. IA2. Hop là! Adjugé! Le gars, c'est une voiture sur l'autoroute. C'est grave. 120 km/h, c'est ouf. Au moins, t'es assuré de pas faire de cette vitesse. Ouvrir le Pokédex et appuyer sur X. Ouais, j'ai bien compris. Alors, attendez. Comment on fait pour l'ouvrir déjà, le Pokédex? Voilà. Ok, Pokédex et appuyer sur X. Et qu'est-ce que je suis censé faire après? Rentre, où? Ah, là, X, ok. Ouais, j'ai reçu 3 sacs de poussière d'étoiles. Ouais, je reçois 10 Super Balls. Ouais, je reçois une pierre foudre. Ouais, je reçois 10 Super Balls. Ouais, je reçois des bonbons XP. Ouais, je reçois une pierre feu. Ouais, je reçois 10 filets balls. Eh, c'est fini. Merci pour l'astuce. Petit Noël. Ah bah, y a pas de petit Noël, hein, clairement. Est-ce que c'est quoi là-haut, là? C'est quoi les trucs qui volent, là? Non, mais on verra plus tard, je suppose. Ah, les taureaux, ça suffit, hein. Est-ce que j'ai le niveau, du coup, pour affronter la connasse, ou... Ah. Motiti, motiti, motiti. C'est Cassiopée. Je vois que tu n'es pas loin d'un des repères de la Team Star. Si tu as fait le déplacement jusqu'ici, ça veut dire que tu acceptes de m'aider. C'est bien ça? Vous ne me laissez pas le choix. Merci. Ok. Nous faisons donc désormais partie d'un seul et même camp. L'opération Stardust peut commencer. Attendez une minute. Je sais pas qui c'est. Wow! Wow! Waouh, quelle voix je fais à ça exactement? Je... j'ai besoin de boire. Là, j'ai besoin de... Faut que je... Waouh. Faut que je m'hydrate, là. J'ai la fièvre qui remonte, en plus, alors c'est... Là, c'est... Ah, je sais pas du tout l'univers de Lulu, j'ai pas joué à Arceus. Un cousin de JG. La voix du daron qui veut traîner avec les Jones. Ah oui. Cette opération m'intéresse. Je peux me joindre à vous, les amigos. T'es qui, toi? Moi, c'est Clove. Depuis quand tu nous espionnes? Eh oh, calmos, hein. Pas la peine de te mettre en boule. Je suis un vieux pote à Thibou, y a pas à s'inquiéter. Pas vrai, Thibou? Mais on se connaît pas. Toi alors, t'essaies encore de me faire marcher, mais c'est bien normal entre potes! On compte faire face à la Team Star, on n'est pas là pour s'amuser. Oui, je sais, justement, moi aussi j'ai des comptes à régler avec la Team Star. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je vous serai utile. Quand je bosse, c'est toujours carré! C'est d'accord, après tout, on ne sera pas trop de trois. Bienvenue dans l'équipe. Alors, Cassiopée, mon avis? Non, parce que toi, t'es pas là, techniquement, hein? Donc, je te dis Cimer.
Tu t'appelles Cassiopée, c'est ça? T'es qui au juste? Bonne question. Oui, mon nom est bien Cassiopée. Avant, j'étais... Disons que j'ai des liens avec la Team Star, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ok, ça me va. Parfait, je vais maintenant vous expliquer en quoi va consister l'opération Stardust. Vraiment, elle recrute n'importe qui très rapidement. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire simple, nous devons prendre d'assaut chacun des repères de la Team Star. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. Par mettre fin à leur règne, tu veux dire qu'il faut les pousser à quitter leur rôle de boss? Exactement. La Team Star est divisée en 5 groupes et chaque groupe possède un repère. De là où vous êtes, vous devriez voir l'entrée de l'un d'entre eux. Nous allons voir l'entrée. Waouh! Ah oui, c'est pas discret du tout, c'est un barrage! Je m'attendais à une grotte, c'est une petite maison. C'est ça là-bas? Oui, de l'autre côté se trouve l'un des repères que nous devons infiltrer. Et c'est tout au fond de ce repère que se trouve notre cible, l'un des boss de la Team Star. Ok, je crois que j'ai compris. Les membres de la Team Star sont tenus de suivre un code d'honneur. Un boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient de défier en combat. Et s'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss. C'est le code qu'il dicte. Tout à l'heure, j'ai envoyé une lettre de défi à chaque repère. Je les ai signées de ton nom, Thibou. Mais vas-y, mais te fais pas chier, Cassiopée de mes couilles! Pourquoi c'est pas toi qui le fais? Ah mais ce sans gêne! Sous prétexte que c'est un jeu Pokémon, ça y est, faut que j'obéisse parce que quelqu'un a décidé pour moi. Mais niquez-vous! Le consentement alors! Ah, je suis courroux là, hein. Ah mais là, Les boss de la Team Star savent donc que tu vas venir les défier. Et si tu parviens à les vaincre, ils seront obligés de se débarrasser de plancher. Sans boss à leur tête, les groupes finiront par se dissoudre et la Team Star disparaîtra. Alors s'ils sont pas trop cons, s'il y a un boss qui disparaît, il est remplacé par un autre boss, en fait. Juste. Normal. Mais il y a un souci, il n'y en a pas qu'un Cassiopée. Déjà t'as un prénom, c'est clairement pas ton prénom. Jamais de la vie tu t'appelles Cassiopée. Je suis sûr en vrai tu t'appelles Cunégonde Primrose Hortense, hein. Et là tu me saoules. Les repères sont immenses et abritent des Pokémon de garde dont le rôle est de repousser tous les intrus. Un dresseur inexpérimenté a peu de chances d'atteindre le trône du boss. C'est un jeu pour enfants, cherche pas. Mais si! Quel modèle on donne à la jeunesse? C'est pourquoi tes talents sont indispensables à cette opération, Thibou. Vas-y, vas-y, chope-moi par la flatterie. Pour tirer les boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon de leur repère. Imhotep. Mais avant ça, tu dois t'infiltrer à l'intérieur. Commence par te débarrasser des gardes. À l'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Bonne question, Clove. Quand même. Comme je l'ai déjà dit, j'ai des liens avec la Team Star. Ils me connaissent. Je ne peux dès lors pas agir à découvert. Je vous soutiendrai donc à distance. Donc tu sers à rien, tu ne fais rien. Mais dis-le, Cassiopée. Hein? Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malheureusement, je ne te fais pas encore totalement confiance. Peut-être parce que tu ne sais rien sur lui, qu'il est arrivé comme n'importe quoi et qu'il ne s'est pas présenté et que tu... Ah! Je vais donc te demander de surveiller les alentours du repère pour le moment et de donner un coup de main à Thibaut. Ok, c'est normal de rester prudent, je comprends le délire. Je vous recontacterai plus tard pour vous indiquer la suite des opérations. Bonne chance. Il a pas donné son numéro, lui, par contre. Hein. Bon, bah, il est temps de passer à l'action, hein. À toi de wesh, Thibaut. Monsieur le proviseur, c'est vous? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais en ce qui concerne ma véritable identité, chapeau-tu, c'est bouche cousue, hein. Pour le moment, je suis ton bon vieux pote Clove. Pas besoin d'en voir plus. D'en savoir plus, mais ça marche aussi. Clove. Non, parce qu'il ressemblait quand même vachement au prof, hein. Alors, eh ben écoutez, on va voir, hein. Écoutez, est-ce qu'ils sont soignés, mes petits cocos? Non. Elle est loin, le centre Pokémon? Ah, mais ça, c'est un peu chiant, parce que faut que je me retravaille. Ouais, il est pas si loin, mais... Attends, il y a une Pokéball. Je vais utiliser mes potions, hein. Ah, mais il y en a là aussi. Tant qu'à faire. Eh, franchement, on va se faire de l'XP, hein. Tant qu'à faire. Si tu veux te plaindre, va au repère. Ah, ok, elle veut pas parler, en fait. Tire à pas plus loin, demi-tour droite. Ok, d'accord, ok. Faut que j'aille là-bas, j'ai compris. Mototo. Je vais rire toute seule à faire la moto. C'est limite ce qui va me faire le plus rire dans le jeu. Non, c'est pas vrai.
Tibou, tu peux faire évoluer ton Pikachu en Raichu avec la pierre foudre que t'as obtenue si tu le souhaites. Oui, c'est vrai. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ici, c'est le repère de la Team Star. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Si tu refuses, je m'autorise à faire valoir mes droits de légitime défense, je te préviens. Je ne bougerai pas d'ici. Ah ouais? Dans ce cas, par le pouvoir de la légitime défense, je vais te botter le cul. Ouais, elle a dit les fesses, mais je suis dans le roleplay, tu vois. C'est... J'ai qu'un seul Pokémon de type O, Lina. Donc, ils ont serré, hein. Un mal aux... Oh, mais je suis trop jalouse! Moi aussi, j'ai un mal aux... Pourquoi moi, j'en ai pas? Ah, ils sont grave plus forts que moi! Ouais, j'avoue, je pense que j'ai pas encore le level pour faire le coco. Hein. Enfin, le défi, si! Mais le truc en entier... Ouais, tu vois, ça va être complexe, quoi, cette histoire. Je pense que... Ça va être compliqué. Mais c'est bien, ça. Ouais. Magikarp! Est-ce que Magikarp peut le buter? Je suis pas sûre, hein. On va essayer pour qu'il prenne l'XP quand même. Vas-y, Tao! 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 Bon bah Étienne, hein. Allez Tété, rien n'est efficace, c'est horrible. Allez charge. Allez Tété. Encore. Faut que je remette Psychopunk dans la team là. Faut reprendre Armin. Bah là. C'est compliqué là. Là, j'avais pourtant invoqué la légitime défense. Ouais, mais on n'a pas le level, les gars. On n'a pas le level. T'es super forte en fait. Bon, j'ai un peu lutté quand même, hein, mais. Papillon. Tu serais pas la fille qui a lancé un défi à la Team Star? Si, c'est moi. Ah, merci pour l'info, mais ça crée un max par contre. Faut que je prévienne les autres. Hasta la vista! Yume! Salut ma belle! Hey Thibou, comment ça gaz? J'ai enquêté sur le repère de l'équipe feu de la Team Star, comme Cassiopée me l'a demandé. Comme j'ai fini, je me suis dit que j'allais te donner un coup de main, mais je crois que t'en as pas besoin. Char, 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 char! Hmm? Oh! Char, 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 char! Mais c'est Charles Jean! Char! Mais oui, c'est lui! Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est votre Pokémon? C'est un char bambin et son nom est Charles Jean. Oh putain, Charles Jean. Oh là là! Ah les enfants, si un jour vous avez un gamin, appelez-le Charles Jean. En l'honneur de ce moment. Vraiment. Char, char! C'est un Pokémon dont nous nous occupons à l'académie. Char! Oh, Charles Jean! Il est parti. Aurait-il un lien avec l'équipe feu de la Team Star? Je dois en avoir le cœur net. Je pars à sa poursuite et je vous rejoins après. Partez devant, Mademoiselle Thibou. Rendez-vous au repère. Ça marche. Oui, c'est Spotted hein, pour l'académie, mais bon. Motiti, Motiti, Motiti. Tu t'es débarrassé du sbire? Très bien. Ce repère, c'est celui de l'équipe feu de la Team Star. Le groupe Cheddar, comme le fromage. Leur boss, c'est Meloco. C'est une touche à tout qui règle tous les problèmes de la Team Star. Mais ses méthodes sont assez expéditives. Je suppose que notre lettre de défi n'a fait qu'alimenter son agressivité. Sans déconner, connasse! Elle m'énerve, Cassiopée. En ce moment même, ses sbires doivent être en train d'essayer de la calmer. Si c'est le cas, commence par t'occuper d'eux. Une fois qu'il n'y aura plus personne pour retenir mes locaux, elle se montrera. Quand tu seras prête, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Cheddar. Ouais, mais non, du coup... Parce que ils vont tous crever, mes bonhommes, en fait. Parce que je n'ai qu'un Magikarp pour le moment, vu que j'ai enlevé Psychoquack. Donc, non. Donc, non. Attends, une Pokéball.
Là, c'est la Pokéball, quand même. Hop. Ce n'est pas une bonne idée. Je préfère qu'on démonte le groupe Roquefort. Tu appelleras ton enfant Charles-Jean. Ouais, je suis pas sûre. Je sais pas si... Même Armin, je pense pas que ça suffirait, hein. J'ai que Armin en Pokémon O, hein. Ça va être short, hein. Courage, Fillon. Je pense que là, c'est short. Sinon, Pokémon Sol. Mais j'en ai pas non plus. Ouais, je chopperais bien les dresseurs dans cette zone-là pour les faire évoluer, je suis d'accord. Mais j'en ai pas vu, en fait. Sur le chemin, il y en avait deux. Oh, j'en ai marre des taureaux. On va se balader un peu pour voir. Il y a une croix là-bas, ça m'intrigue. Leurs Pokémon sont souvent d'eau de type, donc d'autres faiblesses. Au pire, ouais, j'avoue, je prends Psychoquack, hein. C'est juste que j'avais bien envie... En fait, Magikarp, il va bien y avoir un moment où il va choper une attaque haut. Oh, mais attends, je peux peut-être lui mettre une CT à Magikarp. Ah merde, j'avais pas vu lui. Ok, Lixie. Franchement, reprends Armin et dégage pour se repère tous les Pokémon de plantes. Ok. Bon, attends, par contre, on peut fuir ou pas? Oui, c'est bien. J'ai juste envie d'aller voir cette tour là parce qu'elle m'intrigue. C'est-à-dire que je dois enlever Victory. Ah, descend. Aucune de marche, il peut apprendre aucune CT. Ah merde. Ça aurait été trop beau. Je veux pas descendre là? Non, ok. Non. Ah bah on monte tout en haut, hein. Un coffre! Oh! Un petit machin! Ah, faut que je me batte contre? Ok. Hop. Magikarp sert à rien. Magikarp, il avait 10 niveaux de moins que le sbire, ça risque d'être compliqué pour lui, ouais, j'avoue. J'avoue que... Mais je l'ai déjà mordu d'or. Il s'appelle presque Mordor, j'avoue. Ah, j'aurais pu envoyer Magikarp, hein, pour qu'il soit utile. J'ai pas pensé. Ouais, je l'ai déjà. Oh, pour Marc, il a pas gagné grand chose. Et 50 pièces de mordu d'or. Wouh! Non, non, descends, descends, c'était bien. Non! Oui, aussi. Ouais, pourquoi prendre son. Eh, j'ai envie de dire, hein. Allez, on y retourne, vous avez raison. On va refaire un peu la team et on va essayer de les niquer quand même. Je sais plus. Je suis venue de là. J'ai un gros doute. Je crois que oui. Hein. Oula, 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 j'évite les taureaux. Oui, je vois les drapeaux. J'ai vu une baie. Misty Flood, etc. Ouais. Mais ils ont pas de niveau, le truc, c'est que mes autres Pokémon haut... mes autres Pokémon flotte, ils ont que dalle, quoi. Attends, voyons voir. Parce que, en gros, du coup, que ce soit feu, j'ai pas grand-chose qui peut être utile, en fait, hein. Tous les Pokémon haut qui sont au-dessus du niveau 19. Ça va être rapide. Ah, attends, boîte 1. J'ai Loveless niveau 6. Yoru niveau 5. Silem niveau 8. Voilà, voilà, voilà.
J'ai rien dans la boîte 3. On peut pas aller près de la flotte, sinon on a capturé des Pokémon haut. Y'a pas un endroit près de l'eau Non, j'utilise pas les bonbons. Non, Rizzi, tu ne peux pas me demander ça. Parce que là, j'ai pas grand chose. Hein. Je peux mettre Lunalia, mais elle est dragon, quoi. Rush, sinon. Le crabe, il est quel niveau? Le crabe, il est 13. J'ai pas de 19. Ah, 19, c'est à partir... Ouais, par là. Par là, j'ai du 19-20, mais... Elia a une attaque sol. Ouais, mais une. Ça va pas. Y'a pas la flotte? Je peux pas capturer des Pokémon flotte dans le coin? Ça pourrait résoudre pas mal de problèmes, quand même. Genre, je peux pas aller là? Bah oui, non. J'ai bien vu que je pouvais pas. C'est... Y'a que Armin. Attends, en vrai? Attends. Je peux pas faire ça? Attends, où je suis? Genre, si je contourne ça, ça va pas dans l'eau, ce chemin-là? Non, c'est pas un chemin, hein. C'est... Alias sont toujours plus utiles que Magikarp. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a de l'eau là, quoi. Mais elle est pas accessible. Oh, quoique, attends. Non, je pense pas. Je pense pas que je puisse l'atteindre, hein. Tu peux monter Mustebo ou un autre, mais faut farm, ouais. On a accès au tome niveau 5, oui. Ah, c'est con qu'il n'y ait pas de flotte. Il faut entraîner l'équipe encore. Bah sinon, on essaye, alors attends. On va... Attends, il est où, Armin? Armin 21. Armin il va là. Et je peux prendre les petits en me disant qu'ils vont grandir pendant les matchs. Parce qu'en soi, ils peuvent prendre de l'XP en se battant contre des très très forts. Ils vont du coup prendre plein d'XP, non? Je viens de voir que Roche est seul, même impact que sur haut sur feu. Ah mais je suis pas plus avancé Roche et sol. À part effectivement Aerith. Elia, pardon. Ah bah non, elle est électrique et combat, elle a pas. Elle est pas. C'est quand même dommage qu'il n'y ait plus l'émission pour faire exprès les Pokémon qu'on n'a pas dans l'équipe, c'était pratique. Grave. Ou tu essaies de faire évoluer Magikarp en Léviator. Bah j'aimerais bien. Bah le crabe, je peux. Oui, de toute façon. Le Todd Roche. C'est quoi le Todd Roche? Il évolue bientôt quand même, Tao. Ah, niveau 20? Attends. Donc là, en gros, je peux donner des bonbons à Tao pour qu'il évolue niveau 20 ou pas? Le champignon roche. Pas besoin de bonbons, au pire, fait des combats. Oui, c'est vrai. Est-ce que Tao, il peut marcher à côté de moi ou pas? Attends. Ah oui! Bah c'est très bien ça! Vas-y! C'est bien! Ah! Ah il est... oui. C'est pas très utile. Reviens, reviens! Mais reviens! Mais qu'il est con! Mais reviens! Et du coup il est blessé! Oh là 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 là! Oui, ça va, j'écarte, ouais. Pourquoi il ne peut pas me soigner? Mais ça pourrait être smart. En vrai, s'il fait ça... Attends. Si je retourne dans une zone genre au début, Magikarp, il va peut-être mieux s'en sortir.
Oui, reparti si vite. Le truc, c'est que sur la map, je ne sais pas où est mon début et ma fin. Genre, est-ce que si je retourne genre là, c'est plus simple là-haut, tu vois? Ouh, je sais toujours pas où je suis. Attends, dézoom. Ah, c'est dans l'autre sens. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une zone où je peux l'emmener pour qu'il farme? Il va aussi gagner très peu d'XP. Tu perds du temps à revenir au début. Les bonbons, ça ira plus vite. Bah oui, mais j'ai des scrupules à utiliser mes bonbons. Vas-y, Magikarp. Vas-y, sur taureau. Bah oui, mais il fait aucun effort aussi. Il est nul, là. Sinon, tu vas jamais les utiliser. Oui, c'est vrai aussi, mais... Y a pas moyen d'aller à la plage, vous savez ou pas? J'avoue, j'aimerais bien choper des Pokémon flotte. On en gagne facilement avec les cours et les raids. C'est vrai que j'ai pas fait un seul raid encore. Ah, les cours aussi, tu gagnes de l'XP? J'irai après à la plage. Ah! Parce qu'en soi, normalement, c'est pas très long si je bouge. Bon, attends, je regarde mon sac quand même. J'ai 3 super bonbons. Ah, mais j'ai même pas assez. Il atteint pas le niveau 20. Hein. Fais des raids. En vrai, j'ai jamais fait de raid. Je veux bien essayer d'en faire un. C'est le truc là-bas qui brille? On peut essayer. Attends, je vais remettre mes souris du coup. Mes pauvres souris que j'ai répudiées. Elles sont où passées où mes souris? Hop. Tu gagnes plein de bonbons en raid. Ah non! Putain. Laisse-moi tranquille. Mais pas d'XP. Ah! Fuite. Merde. Non, Magikarp! Ça va bien se passer, Magikarp. Ça va bien se passer. Tu vas... Alors, non. Attends. Titi. Mais je l'ai déjà. Comme ça, Magikarp, il aura de l'XP. Allez, calcine-le. Ah, c'est vrai que j'aimerais bien faire avec Léviator le combat contre l'autre, là. C'est pas très efficace. Titi, tu... Hein? Ouais, on a Tauros, je suis pas rêvée. Titi va se faire des gommes, hein. Vas-y, tant mieux, ça fera plus de trucs pour Magikarp. Tu peux me le tuer, Titi, ça serait parfait. Oh, yes! Ah, mais non, mais du coup, il est pas mort. Bon, c'est pas grave. Yes, Magikarp, niveau 17. Et demi. En vrai, je pense que je le monte vite, hein. Je vais quand même faire un raid, parce que j'ai bien envie de découvrir avec vous. Mais je pense, en vrai, il a pris un niveau et demi, là, en un combat. Donc, ouais, mais c'est pas les mêmes tauros. Tu devais retirer Victory pour le truc feu, par contre, elle est plante, donc... Oui, Victory, je la virerai. J'ai Magikarp devant. Faut peut-être pas que je laisse Magikarp devant, par contre. Bah, je le laisse devant le temps d'atteindre. Alors, attends, par contre... Les raids sont pas indiqués sur la carte. Bon, c'est pas très grave, parce que là, je le vois bien. Ça se voit quand même d'assez loin, le machin. Niveau 17,5. Eh ! Non, je donne pas les bonbons ! Je donne pas les bonbons !
Mais effectivement, en vrai, je vais faire un raid pour essayer, mais je pense que pour le délire avec vous, mais je pense que battre les taureaux, c'est pas mal niveau XP, hein. Pour Magikarp. Alors attends, je vais découvrir. J'ai un peu peur. Attends, on va changer de Pokémon quand même. C'est quoi qui est... Il y a quoi qui est fort contre Polychombre? Mais non, Victory, t'es juste répudié pour le truc contre le feu. T'inquiète. Qu'est-ce que je mets contre Polychombre? Je sais pas qui est fort contre Polychombre. Mmh. Spectre ou Ténèbres? Étienne. Ah oui, Titi avec son attaque morsure, j'avoue. Mais non, je voulais le déplacer, mais... c'est un Terravol, donc électrique. Ah bah. Ça va être le retour de Elia. Ah, c'est un seul Pokémon? Je sais pas comment on voit son type. Y a que le Terra qui compte. Ah! Est-ce que je peux gagner quand même? Fait à plusieurs. Oui, 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 de toute façon. Hein. Bah, de toute façon, si vous êtes avec moi, vous gagnez, vous êtes plus fort pour moi. T'entends pas, Tibou, je crois que t'as quelques taureaux autour de toi. Vas-y, partir à plusieurs. Allez, comment je vous fais venir avec moi? Ah, 0854. Eh, mais je suis pas... Ah, je suis hors ligne. Comment ça, je suis hors ligne? T'auras trois autres dessins avec toi. Ah, mais... Je sais pas si... Ah, non, non, je crois pas que je suis hors ligne. Je sais pas. Il m'aurait mis, sinon. Il y a marqué mode hors ligne au-dessus, mais... Fais solo et t'auras des bottes. Ouais, c'était histoire que vous soyez avec moi. Mais bon, vous êtes peut-être pas sur le jeu, quoi. Mais du coup, je sais pas si il dit que je suis hors ligne. Ah oui, je suis hors ligne. Attends. C'est bizarre que je sois hors ligne. Bon. On va faire en solo pour voir. Et je vérifierai que je suis bien en ligne la prochaine fois. Et on verra bien. Oula, c'est blanc. Oula. C'est lavé avec Myrlène. Non, mais peut-être que ma Switch, quand je l'ai allumée, Internet, ça s'est pas activé. Oh, des inconnus! Du coup, c'est je m'éloigne complètement de ce qu'on était en train de faire. Lors d'arrêt, Terra Crystal, vous devez vaincre le Pokémon Terra Crystal dans le temps imparti. Ok. Du coup, il faut que je me mette en Terra Crystal aussi, je suppose. Ah. Eh ben, éclair, hein. Pourquoi il a un casque? Hop. Ça dit super efficace, donc... let's go. Ça va, ça fait pas beaucoup de mal. C'est avec du temps, faut pas prendre son temps. Mais je prends pas mon temps? Je peux pas me terra cristalliser. Pourquoi, par contre, pourquoi les autres ils attaquent pas? Ah si, on attaque en même temps. Wow, on le dégomme. Et du coup, je le capture. Il n'y a pas de capture. C'est juste le taper. Au bout de 3 attaques, tu peux utiliser le terrain. Ok. Ouille, ouille, ouille. Il est mort! Je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Wouh! Ah bah oui, il a attrapé. On va peut-être pas faire les pinces. Super Bowl!
Oh bah c'était pas si dur en fait. Une fois mort, tu l'attraperas. Ah, j'aurais peut-être pas dû gaspiller une Super Bowl parce que vu l'animation, si je le foire, ça fait mal au cul quand même. Hein. Mais bah, Alexis, c'est ce que je me suis dit. Je voulais pas faire ma pince et risquer de le louper. Et voilà. Un polichombre. Waouh, oui, on gagne plein de choses. Un petit, trois petits bonbons. Stylé. Ils sont inratables, c'est stylé. En vrai, c'est cool du coup, je m'attendais à un truc vachement complexe. Plein de bonbons, ouais, grave. Utilise les bonbons maintenant que t'en as plein. New MD, je sais pas. Salut Lila. Ah oui, on va donner. Il développe sa force en absorbant la rancune, la tristesse et les autres sentiments négatifs des êtres humains. Ok, j'ai besoin de quelqu'un de très empathique, mais qui se fait pas détruire par ce qu'il entend et qui arrive à en faire une force. Donc quelqu'un de vieux qui a fait plusieurs psychanalyses. Qui veut ? C'est en fonction du nombre d'étoiles, la complexité. Je suis vieux mais dérangé. Xariska, vas-y. J'aime bien, je suis vieux mais dérangé. Mais non. Hop là. Je suis vieille avec licence psy. Ah, ça aurait pu aussi. Pour faire des raids en ligne, il faut l'abonnement Nintendo. Ah, je crois. Ah, je sais plus si je l'ai encore. Ah, peut-être pas. Hop là. Et notre premier raid. C'est beau. Du coup, on va essayer de choper des taureaux. Attends. Je vais vous faire plaisir quand même. Et dépasser un petit peu mon trauma personnel. Voilà. On va faire un petit peu de bonbons. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Ah oui, quand même! Ah oui, ça monte bien. C'est bien. Tu pourras avoir des bonbons à l'infini avec les raids. Oui. Mais du coup, les raids, c'est pas à l'infini, si. Un par un. Allez. Ah, je suis fière de moi. Il respawn un ennemi. Ah! Allez. On le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on monte niveau 20? Je suis pas bien d'utiliser mon stock. Il y a une multitude de raids, t'inquiète. Le Magikarp dopé à mort, est grave. Tu vas évoluer. Léviathan, we are coming. Allez, un dernier. Oh, franchement, oh, le dernier, il peut le battre. Franchement, le dernier, on va faire un combat. Pour la beauté de le voir évoluer après un combat, quand même. Un tauros, il me faut un tauros. Il y en avait une chier tout à l'heure, ne me fais pas croire qu'il n'y en a plus. Hein. Je ne te croirai pas. Qu'on finisse là-dessus, tu vois. Léviator avec trois caries. Tauros. Eh, vieux taureau tout moche. Tauros. Mais genre, il n'y a plus de tauros. Ouh, c'est moche les taureaux. Qu'est-ce que c'est moche et ça pue des fesses. Non, ça c'est un cochon. Ah, vous êtes là. Bon, du coup, on change. Voilà, hop. Taureau s'est allé se coucher entre-temps. Ça le fait. En plus, Aerith, pour une fois qu'Aerith est très efficace contre quelqu'un, je veux pas dire, mais ça se savoure. Hein. Salut Perlou! Perlou, tu arrives juste pour voir ton Magikarp évoluer en Léviator. Wow! Ah ok, c'est super efficace peut-être, mais elle prend cher en attendant. Mais non! Mais comment tu veux qu'elle te batte si tu la tapes avant? Je fuis pas, je m'en bats les couilles. Vas-y, Victory. Non mais Aerith, je l'aime bien, hein, mais elle se fait victime tout le temps, quoi. C'est vraiment...
ça qui est super efficace, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Victory, fais un effort. Tu me dis à marquer, c'est super efficace, tu lui envoies... J'en connais une qui va crever. Allez, tu peux le faire, Victory. Go bat ce taureau. Mais oui, on touche au doigt du Léviator, quoi. Après, il lui fait pas de mal non plus, donc en soi... Ah, calmez-moi un peu. Il fait plus mal qu'elle. Vas-y, méga sensu. Sensute-le. Voilà, soigne-toi en même temps. Au pire, utilise Terra Crystal. Oh, la... Oui, j'avoue. Ça dit, on connaît pas le Terra Crystal de Poupette. Du coup, Magikarp, il a un Terra Crystal aussi. Ah, mais là, c'est lent de ouf, hein. Mais j'avoue, en fait, le truc, c'est que si j'utilise trop de Pokémon pour le battre, après, l'énergie, l'XP, elle est divisée, tu vois, aussi. Ah bah, ça va me régler le problème. Vas-y. Non, mais comme ça. Comme ça, moi, vas-y, New. New depuis tout à l'heure, il est en mode, vas-y, moi je veux. Allez. Voilà. C'est un ado, faut pas faire chier les ados. Magikarp niveau 20. Allez, évolue, gars. Oui. Oui, après tous ces efforts. Tao, oui. Prends une attaque haut en même temps, s'il te plaît. Oh, tu es beau, Tao. Tu es beau et spongieux. Oh, j'adore. Il apparaît à chaque conflit mondial, semant chaos et destruction sur son passage. Magnifique. Oh, Tao, tu pètes la classe maintenant. Il apprend morsure. Mais c'est pas une attaque haut, morsure. Je m'inquiète ou... Attends, on va se soigner déjà. On a besoin de soins, on a deux qui sont morts. Tout le monde est crevé. Morsure, c'est tout. Oui, ouais, mais là, il y a des CT, là. Là, il y a des CT. J'en ai 50 000 des CT, donc voilà. On va lui en mettre une, hein. Les CT, on peut les enlever de place ou pas? Ou dès qu'ils les ont, ils les ont et c'est mort. Ah bah avec plaisir. Non, c'est bon, ils sont soignés, laisse-moi tranquille. Oh, j'ai pas fait les musiques. Ram-papapam. Alors, sac. Parce que j'ai une sac à CT assez violente, hein. Voilà. J'ai tout ça quand même. C'est ça de jamais en utiliser, hein. Tu peux remplacer les CT, pas la peine de faire oublier. Je crois qu'il apprend cascade au niveau 21 ou 22. Ce que j'ai une CT haut, en fait. Je suis pas sûre, hein. Danse pluie. Ah non, mais ça augmente juste... J'ai pas de CT haut. Non, mais c'est pas grave, je le vis bien. Mais on va... Tu sais ce qu'on va faire? On va battre des taureaux, ça. Non, mais voilà, au bout d'un moment, 21-22, il apprend un truc, et ben on va battre des taureaux, ça. Il faut être déter dans la vie, hein. C'est pas grave, hein. Pas de problème. Allez, dans le cul, hop là. Il va prendre le Pokémon Dauphin, il attaque haut. Mais il est où, le Pokémon Dauphin? Je serai contre nous. Allez, on se bat, hein. Franchement. Allez, Tao. Ah. Tao, je comptais sur toi pour pouvoir le niquer. Mais je sais pas où il est, le Pokémon Dauphin. Enfin, avoir un Léviator et pas avoir de haut, c'est quand même... Ça fait mal aux fesses, hein. Ah, mais rien n'est efficace, le pauvre. Qui c'est qui est fort? Vas-y, New.
Tu vas éteindre leur espèce. Mais je voulais tout à l'heure atteindre la plage. Mais il n'y avait pas. Non, mais t'as pas besoin d'augmenter ton attaque, Coco. Hein. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Magnifique. Oh là là, Tao, il monte à une vitesse. Parfait, on continue. On refait la même chose, on se fait tout le troupeau. On se fait tout le troupeau, je m'en bats les couilles. Oh, vraiment. Voilà, très bien. À nos rebelles. Attends. New MD, il one shot, c'est parfait. Allez. C'est parfait, New MD. Allez, non, par... Oh, ça va. Allez. C'est un massacre de masse. Allez, Tao. Il apprend cascade. Oh, c'est allé si vite. Là, on se casse. Parfait. Ok, on est bon. On a l'Eviator qui est cascade. Ok, on est bon. Soigne-moi ça parce que... Hey, New, franchement... Ça me donne envie de faire plein de taureaux, cela dit, parce que ça a monté hyper bien le truc, hein. L'XP des cocos, hein. Alors, attends, on va faire la bonne team et on va commencer l'attaque. Après, on va pas trop tarder à s'arrêter non plus parce qu'il commence à se faire tard dans cette histoire. Mais on va commencer... on va commencer à faire... Attends. La team. Donc... Boîte PC. Non, tu t'es pas trompé, papillon, merci beaucoup. Du coup, on a Tao. On a donc dit qu'on prenait Elia à la place de Victory. Psychoquack. Armin, où es-tu? Armin est là. À la place des souris. Et techniquement, est-ce que je changerai pas Titi? Ah, mais Titi, niveau 26, hein. Alors, remarque, j'ai déjà une UMD. Tu pourrais monter à Erid jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus utile avec la technique des taureaux. Ouais, grave. Luna. À Erid, en fait, après, qu'est-ce que je peux prendre à la place qui soit utile? Parce que lui, il est niveau 13, hein. Perlou, elle est 13. Et je peux prendre la Lunalia, mais les dragons, ça nous sert pas à grand chose, dragon. Un conseil, mets Hermine en troisième place dans ton équipe. Hop, ok. C'est bon comme ça, tu crois? Mais j'ai deux feux quand même. Est-ce que j'en profiterai pas pour monter le niveau d'un autre ou. Ou en prendre un plus smart? Enlève à Erit. Tu crois? C'est vrai qu'Eric est niveau 22, ça me semble pas mal. Bon, on va essayer comme ça. Allez, c'est Tipar Gaspard. C'était un stream du farm. D'ailleurs, Team Rediff, je voulais vous demander, puisque pour le coup, ça, c'est surtout pour vous, mais cela dit, sur Twitch, ça vous change pas grand-chose. Ceux qui regardaient cette rediff sur la chaîne YouTube, du coup, est-ce que vous préférez qu'elle reste sur la chaîne principale ou est-ce que vous voulez que je la passe sur la chaîne secondaire? Puisque du coup, mine de rien, ça va être très long comme let's play et surtout que j'ai tendance à digresser pas mal. Alors la chaîne secondaire, c'est une chaîne YouTube aussi, hein, c'est Tiboutou, elle est dans la description au cas où et il y a toutes mes redifs de stream dessus. Donc, t'inquiète Victory, on te récupère bientôt. Donc dites-moi un petit peu. Allez. We can do it. Je suis des deux teams, du coup je dis mon avis sur la chaîne principale, ça me dérange pas perso. Chaîne principale pour Nick est là. Fais bien gaffe Thibaut, la Team Star est adepte d'un style de combat assez particulier. Il s'appelle Star le Starasto. Pour les affronter, utilise le bouton R pour envoyer plusieurs Pokémon au combat en même temps. Et si tes Pokémon ont besoin d'être soignés, viens me voir et je m'en chargerai. Par contre, à Skip, les sbires auraient une machine qui leur permet de soigner aussi leurs Pokémon. Hé hey, les gens, une fille complètement inconsciente a osé s'introduire dans le repère. Elle sait clairement pas à qui elle a affaire. Montrons-lui de quoi elle fait la Team Star et chassons-la d'ici, fissa.
Quant à toi, l'intruse, si c'est notre boss que tu veux voir, va d'abord falloir que tu battes 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes. Si tu y arrives, peut-être qu'on te laissera passer. 30 ? Ah oui. Ah oui. Envoyez vos Pokémon en avant en appuyant sur le bouton R pour essayer de mettre KO un nombre défini de Pokémon à la Team Star dans le temps imparti. Ok. 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 Du coup, là, moi, ils sont dehors, les gars ? Je vais pas envoyer le troisième. Ah, voilà. Ah, mais du coup, c'est moi qui dois me déplacer. Ah, c'est super relou. Hey, Psychoquack. Je suis pas très fan du truc, hein. C'est moi ou ils sont tous morts? Ah non, ils sont pas morts. J'en ai une qui est blessée. Quand ils sont blessés, ils se soignent ou pas? Non, ils se soignent pas. 9 sur 30. Ah, faut que je les trouve, quoi. Il y a des distributeurs tout le long du chemin. J'ai pas vu encore les distributeurs. J'ai pas vu les distributeurs, où c'est? Ah, mais n'y va pas toute seule, ils sont où les deux autres? Pauvre Elia qui se tape tout toute seule. Sur les côtés. Ah, je vois un truc là-bas. Très bien. C'est un distributeur. Oui! Ah, et ma petite Elia, elle est soignée. Pourquoi elle sort pas? Ah, ça y est. Les petits cocos qui l'ont perdu. Ça va, je suis à 22 sur 30, il me reste 8 minutes. J'étais un peu en mode au début, oh là là, faut aller super vite. Mais non, ça va en fait. En vrai, c'est tranquille. Ok. Et il y en a là. Allez. Et il gagne de l'XP en faisant ça quand même? C'est intimidant à entendre finalement, pas si difficile que ça. Ouais, clairement. On n'a pas réussi à tenir. C'est à notre boss de jouer maintenant. On a gagné de l'XP, j'espère. Ils ont pas dit, donc Ils en ont quand même buté 30, hein, donc j'ai envie de dire, s'il gagne pas d'XP, c'est de la grosse arnaque. Non ? C'est de la grosse arnaque. Pas content, pas content. Waouh, ça c'est des... Waouh, style et sexy. Oh, elle est mignonne. Elle est mi-mignonne, mi-sexy, c'est bizarre. Alors, c'est toi la gueudin cause nos défiés ? Je sais pas pourquoi tu fais ça et j'en ai absolument rien à carrer. T'es venu chercher la bagarre, bah voilà, tu l'as trouvé. Je vais t'exploser. Que des rimes, et c'est dommage. Rime pauvre. Enfin, rime trop riche. Allez! Elle est mignonne! Elle est sexyonne. Allez, Viator! Vas-y, Tao! Je vais m'occuper de toi, tu vas pas faire long feu. Il est un peu en hauteur, Coco. Est-ce que je fais Terra Crystal ou pas? Ou j'attends la fin? Je ne sais pas comment se présentent ces matchs. Attends au cas où, ok. Allez! Eh, c'est super efficace, ah bon? Je vais te réduire en cendres! Parce que pour le coup, c'est super efficace, mais ça fait pas grand chose. Oui, ça non.
Ah mais il est peut-être un petit niveau aussi, Tao, aussi, c'est peut-être pour ça. Ça, c'est pour venger les sbires. Ah, je brûle. Pauvre Tao, pauvre. Parce qu'ils disent que c'est super efficace, mais ça avance super doucement. Il y a beaucoup de niveaux d'écart, ouais. Ah, Tao, il va prendre cher. Je crois que ça va être compliqué. Ah oui, il y a 6 niveaux d'écart. Ah mais Armin, il y aura beaucoup de niveaux. Armin, il est 21 aussi. Hein. Je crois que j'ai pas le niveau. Hein. Armin, il est le même niveau. Hein. Ah, Tao va mourir. Elle est bien d'or que pour ça. Elle a que 2 Pokémon, tu peux le faire. À la limite, ouais, je vais peut-être le soigner. L'échec de la Presta, ouais, ouais. Mais il prend cher quand même, hein. Tao, on comptait sur toi, grave. J'ai envie qu'il le nique, tu vois. Mais comment on s'est battu? Ouais, mais ça va me prendre mon stock de potions entière, là. Hein. Et en plus, Tao est brûlé, quoi. Je pense qu'il va mourir, Tao. Hein. Faudrait que je... Bah ouais, ça lui fait quasiment... En même temps, j'ai 6 niveaux de moins, t'imagines? C'est énorme. Faut lui enlever la brûlure. Ouais, mais il va me rebrûler. En fait, il me rebrûle à chaque fois. Mets un anti-brûle. Ouais, mais j'ai peur que je crève si je fais... Attends. Switch. Genre Titi. Ah, pff. Le problème, c'est qu'en fait, là, toute ma team... J'ai que Titi et New qui sont niveau 26, quoi. Sacrifie Tao. Envoie Titi pour tanker. Ouais, mais il fera pas de dégâts. Ah, pour soigner et débrûler Tao. Et il attaque pas Titi, du coup? Ouais, mais Tao, il fera jamais trop de dégâts, en fait. C'est ça, le problème. Vas-y, on va essayer. Titi, avec morsure, il peut faire le taf. Oula, de rebelle. On fait comme on peut. Bah ouais, là... Est-ce que je soigne Tao? Anti-brûle à Tao? Abandonne Tao. Bah attends, on va essayer une attaque et on regarde ce que ça donne. Je tente morsure comme vous m'avez dit. Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Il l'a baissé de R. Si peu, ouais. Bon, on va débrûler Tao, hein. Soigne Tao, ouais, on est dans la panade, un peu. J'aurais dû sauvegarder avant. Bon, c'est pas grave, au pire, les stocks, c'est pas comme si je manquais de pognon, hein. Ok, Tao est en forme. Armin avec ses 2 attaques flottes. Ouais, après. Titi, j'arrive.
Titi, est-ce que Titi meurt? On utiliserait Armin pour le deuxième Pokémon avec intérêt cristal. Ouais. J'avoue, Mitaïs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie Titi ou est-ce que je switch avec Tao? Pour avoir une attaque de moins sur Tao. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Eh bah Titi, Calcination, il fera peut-être plus mal normalement. Morsure, enfin, parce que Morsure, ça a vraiment rien fait. Je sais que c'est un Pokémon feu, mais... Vas-y. Ah oui, c'est beaucoup... Ouais, bah, c'est pas efficace, mais... C'est plus efficace quand même. Morsure, ça lui a rien fait, mais... Calcination, ça lui a bien fait mal. Bien, 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 bien. Bon, Titi va crever, ouais. Titi est mort, mais... Le feu est plus efficace que l'eau sur lui, c'est logique. Ouais, n'est-ce pas? Et là, du tout, on fait, du coup, on fait revenir Tao. Et là, je pense on l'a. Oui, il y a le niveau aussi, clairement. Est-ce qu'on l'a... Oui, c'est bon. Et du coup, Tao va prendre toute l'XP en plus. C'est quoi, Rombotor? Ah, j'ai pas encore grillé toutes mes cartouches. Mais t'as de la chance, parce que moi, un petit peu. Hein. C'est quoi, Rombotor? C'est la voiture? Mais il me propose pas de changer de Pokémon? Je te bats contre la voiture. Ah oui, mais... Du coup, je garde Tao? Parce qu'en soi... Ma alerte, c'est tendancieux. Hein. Ouais, Pokémon mécanique, c'est... Fini avec Tao pour le moment. Bah ouais, hein. Est-ce que je fais Terra Crystal ou pas, du coup? Ou c'est pas forcément... C'est un concept. Oui, hein. Son terrain, il vole. Ok. Grincement. Ça va, grincement. C'est pas trop méchant. Si. Défense baisse beaucoup. Ah, Tao va se faire one shot. Ok. 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 Au pire, il meurt et tu terras Armin après. Ouais. Ok. Très bien. En vrai, Tao... En vrai, Tao, je pense que je peux même le soigner. Bon, là, ça va, hein, mais... J'aimerais bien que Tao finisse, du coup. Non, il n'a pas eu d'XP sur le premier Pokémon. Mais je me dis, c'est peut-être groupé à la fin. J'ai bien envie qu'il le garde, Tao. Waouh! Pourquoi il attaque deux fois? Allez! Putain, allez, un coup, un coup! Je suis à fond dedans! J'ai envie que Tao prenne des niveaux. Par contre, je vais encore le soigner. Hein. Je vais gaspiller un tour, mais... Ah, Tao, il va crever sinon. C'est vrai qu'Armin n'a pas évolué. Mais Tao est plus stylé quand même. Allez, finis ça. J'ai trop peur qu'il fasse un coup critique, tu sais, qu'il me le bute. Non, 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 meurs pas, blague pas. C'est pas grave, c'était brûlé. Vas-y, brûle-moi ça. Enfin, refroidis-moi ça plutôt. Oui! Ah! J'ai tout mon stock de potions qui y est passé! Mais we did it! Eh, il va prendre 2000 de niveau, hein. J'espère. Quoi, c'est comme ça que ça finit? J'ai la haine!
T'es déclassée, ma cocotte. Un an et demi plus tôt. Ah, on a eu un flashback. Juste à temps. Mélo, te revoilà. Ouais, j'ai réussi à faire évoluer un max de charbambin. Ça devrait nous donner assez de puissance pour faire rouler la Star Mobile. Heureux augure, ne trouves-tu pas Ortiga? Ouais, je pensais qu'elle disait juste ça pour se la jouer, mais bon. Non, mais ça va, l'ingratitude, faut toujours que tu la ramènes avec tes petites remarques, là. T'es insupportable, hein. Parle pour toi, t'es franchement pas mieux que moi. Pas étonnant que tu t'attires des ennuis vu comment tu parles aux gens. Non, tu te trompes, Ortiga. Les autres filles étaient jalouses de sa beauté et lui faisaient beaucoup de remarques à ce sujet. C'est pour ça qu'elle a décidé de se rebeller et d'adopter une attitude plus agressive. Et c'est comme ça qu'elle s'est attirée des ennuis, comme tu dis. Nefli, t'arrêtes un peu de raconter ma vie. Ah pardon, c'était elle, je suis pas rien de le personnage. Hé, c'est pas le moment de vous fight, c'est bientôt l'heure. Oui, l'opération Star va enfin commencer. Et notre Big Boss, a-t-on reçu des nouvelles de sa part? Les responsables du harcèlement ont été dénichés et réunis dans la cour par ses soins. Ça y est, c'est le moment, je suis en feu, je vais tout brûler. D'accord. Je voulais tout brûler, mais je me suis juste consumée. Il reste plus rien. Bon bah voilà, c'est fini. Sérieux, ton Léviator m'a bluffé, il était à donf. C'est tout un exploit de me battre en combat. Tiens, attrape ce badge team. En vrai, elle est cool, hein. Ah, elle m'a foutu dans la gueule. J'ai rien dit, elle est pas cool. Et comme j'en ai plus rien à cirer, je te file aussi cette CD. Ah, c'est un concept. Nitrocharge. J'ai rien compris. Bah, moi non plus, j'ai pas trop compris le flashback, j'avoue, mais... Par contre, te fais pas d'illusions, c'est pas à toi que je donne tout ça. C'est pour ton Léviator. Bon, si t'as plus rien à faire ici, dégage, tu veux, j'ai besoin d'être seule. C'est clairement une femme forte avec des fêlures. Hein. Tu es Meloco de la Team Star, n'est-ce pas? J'aimerais te présenter un Pokémon. Hein, t'es qui, toi? Char! Un Charbambin? Oh, mais je te reconnais. Char! T'es Charles-Jean. Qu'est-ce que tu fais là? Il est venu jusqu'ici rien que pour te voir. Char! Charles-Jean. Putain, c'est bourgeois. Il a l'air attaché à toi. Je jouais tous les jours avec lui quand j'allais encore à l'académie. J'arrive à piger ce qu'il pense rien qu'en regardant comment bouge ses flammes. Tu peux donc deviner pourquoi il est venu jusqu'ici? Char! C'est une femme forte avec des fêlures. Char! Charles-Jean. Mon petit doigt me dit qu'il souhaite que tu retournes à l'académie. Ah, on va aider les adolescents déscolarisés. J'ai entendu dire que la Team Star prépare une attaque contre l'académie depuis ses repères. Tu sais quelque chose à ce sujet? C'est quoi cette vieille rumeur? Décidément, rien n'a changé, les gens racontent toujours nimp. Et quel était ce véhicule rafistolé dont tu te servais plus tôt? La Star Mobile? On l'a montée il y a longtemps, on voulait se battre avec. Mais en fin de compte, je m'en suis jamais servi jusqu'à ce que vous débarquiez. C'était la première fois que tu t'en servais? Mais alors, quel combat tu voulais mener avec initialement? L'opération Star, ça te dit quelque chose? Je connais l'opération Stardust, mais pas l'opération Star. C'est la première fois que j'en entends parler. Ouais, c'est pas étonnant, mais... Pour la Team Star, c'est un souvenir précieux. Aussi précieux que notre plus grand trésor. En fait, c'est pas des vrais méchants. Oh, c'est des gentils méchants! Trop mignon. C'est bon, on a compris l'écran, là, Zwan. Ça va être une longue rediff, hein. Et mon XP, par contre? Motiti, Motiti! Thibaut, Meloco t'a donc donné son badge team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Shedar n'a plus de boss, il va disparaître pour de bon. Meloco. Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Ah, 5000! Ouais, comme tu pourras le voir, j'ai ajouté quelques nouvelles CT au répertoire de la machine à CT. Grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles à des Pokémon. C'est cool, on se fait acheter pour nuire à des gens qui nous ont rien fait, c'est quand même sympa. Quoi qu'il en soit, tu as fait du très bon travail. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement va venir t'apporter quelques ressources qui te seront utiles pour fabriquer des CT. Pas d'XP, c'est bénévole, la maison start... Mais non! Oh, il est mignon! Oh, mais je vois qui c'est! Salut! Je suis Pania, je fais partie de l'équipe de ravitaillement. Tu m'as sauvée à l'entrée d'école l'autre fois, mais tu te souviens sans doute pas de moi. Si, je me souviens de toi. Ah, ah bon? Moi aussi, je fais mon projet extrascolaire, je m'y connais en machine et en piratage.
Alors j'aide les autres, je travaille en coulisses. C'est ça ma chasse au trésor. Du coup, tiens, c'est une récompense supplémentaire de la part de Cassiopée. Des échantillons. Grâce à ça, tu vas pouvoir fabriquer tout un tas de CT. Cassiopée m'a dit de te donner une récompense chaque fois que tu réussiras à démanteler un repère de la Team Star. Il paraît que t'es vraiment très doué pour envoyer des Pokémon combattre à distance. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, l'opération se passera bien, c'est certain. Il te reste encore 4 boss, alors bonne chance. Trop chou, j'aime trop ce perso. Vraiment, il est trop mignon. Oh, son sac à dos! Au secours! Eh bah, go se soigner, sauvegarder, et stop pour aujourd'hui, hein. Parce que là, on en a chié, hein. Par contre, on n'a pas d'XP. J'ai le seum. Ah, ça, j'ai le seum. Pas d'XP, avec tout ce qu'on a fait. Je me suis battue pour que Léviator reste tout seul pour avoir toute l'XP, et il n'y a pas d'XP. Je le vis mal. Je suis un peu affectée, j'avoue, par ce retournement de situation. Mais on a avancé quand même. Je m'y attendais pas à ce qu'on le fasse aujourd'hui, mais on l'a fait. Donc s'il vous plaît, pour la prochaine fois, dites-moi en commentaire où on va et ce qu'on fait et contre qui. Parce que je suis nulle pour m'orienter. Donnez-moi la zone où je dois aller pour la prochaine fois et ce que je dois faire en commentaire. Pitié, guidez-moi. Ouais, n'est-ce pas, New? En tout cas, on se laisse là. Ça a été intense, mais efficace. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve en stream et en vidéo, bien sûr, très rapidement. Bisous! Passez une excellente soirée et encore merci pour votre soutien pendant ce stream intense. Je suis épuisée comme si j'avais combattu moi-même. Bisous, bisous!